Ora si Una registrerà la conferenza. Irene, possiamo cominciare? Sì, certo. Allora, scusate. La mattina avevo preso Adile Tassema su WhatsApp. Oh, viene dietro una normale canicola. Stavo sbagliando. Ok, Adile vieni tra io, ok? Dammi un nome su. Esatto. Scusate, ma succedono sempre queste cose. La tecnologia. Tecnologia moderna. Donc, vous présente, le président de l'Académie Virgilienne de Mantoue, c'est Roberto Navarrini. Hier, il était pas là parce qu'il avait des raisons personnelles, je l'avais dit, comme je l'avais dit. Et donc, il vous donne votre bienvenue. E après, come si fa la séance. Buongiorno. Io vorrei innanzitutto portare i saluti non solo miei, ma anche di tutti gli accademici, ai presenti e a chi ci ascolta via stream. E vorrei innanzitutto ringraziare il collega e accademico Mauro Lasagna e Irene Pelletti per aver organizzato in Accademia questo importante incontro. La conferenza di questi giorni sulla letteratura, sulla lingua e la linguistica latina rientra in un certo modo nelle tradizioni accademiche, anche la tradizione che onora Virgilio si ripete da noi tutti gli anni nella giornata del genetriaco, il tradizionale 15 ottobre, con la presenza di illustri latinisti, e si ripete ogni 3 anni nel premio Virgilio, il premio che riconosce l'impegno di importanti studiosi e incentiva in giovani studiosi la ricerca nella classicità, che oggi sappiamo da sempre è sempre meno seguita. Le cose non erano così all'inizio dell'Accademia, perché l'Accademia, che non è altro che la riforma della vecchia Accademia dei Timidi, nasce soprattutto, siamo in periodo illuministico, soprattutto rivolta alle scienze, perché questa era la volontà di chi la fondò. Si chiamò infatti Accademia di Scienze e Lettere, fondata da Maria Teresa e dal figlio Giuseppe II, con l'intento di portare giovamento non soltanto agli accademici, ma soprattutto alla società. E questo è andato avanti per un bel po' di tempo. Io guardavo per curiosità le dissertazioni che ci sono arrivate nella seconda metà del Settecento, e su Virgilio e il latino ne ho trovate 3, mentre sono decine e decine su argomenti scientifici. Cambiano le cose quando, con l'arrivo della dominazione francese, il generale Sextius Miollis, che era impregnato di cultura artistica, si scandalizza nel vedere che Mantova, patria del sommo poeta della latinità, non ha il culto di Virgilio e non c'è nessuna istituzione che lo onori. Per cui cosa fa? Impone, addirittura con decreto governativo, il titolo di Virgiliana alla nostra accademia. E da quel momento comincia l'interesse anche per Virgilio, per le sue opere, ma soprattutto per il mondo latino. Nell'Ottocento ci sono, a parte tutte le manifestazioni che vengono fatte quando Miollis era presente in città,
Ma nell'Ottocento poi si onora il poeta nei due, nelle ricorrenze bimillenarie della nascita e della morte, e poi continua questa tradizione appunto attraverso il nostro premio Virgilio, voluto dal nostro latinista che era Giorgio Bernardi Ferini, che sicuramente conoscerete. Mi fa piacere quindi che questa tradizione continui anche adesso con il nostro colloquium Mantuanum, e non voglio portarvi via ancora altro tempo prezioso e vi auguro buon lavoro. Grazie. Si hanno per me, je prie, monsieur de parler, de s'installer là pour diriger la séance de ce matin. Je suis ferré de FSI pour le programme Lo vedo. Lo vedo. Monsieur le professeur Lasagna cerca di risolverlo. No, no, non è lei il problema, sono quelli collegati. Ah, sono silenziati. E infatti lo stiamo facendo. Sì. Grazie. Je disais que je suis très heureux d'être ici pour cette séance du colloquium actuale. Et pour moi, c'est toujours joie de me rejoindre à Mantua. Mais c'est la première fois que je viens ici à l'Académie virgilienne. Et je suis très content aussi de ces choses. Et aussi pourquoi j'ai l'occasion maintenant de revoir beaucoup des amis que dans les dernières années, il était possible de se rencontrer pour les vicissitudes que vous connaissez bien. Eh bien, nous allons commencer la séance d'aujourd'hui avec Bernard Bortolussi de l'Université de Paris Nanterre, qui est bien connu pour ses études de linguistique latine. Il enseigne le latin et linguistique à l'Université de Paris Nanterre, et vous connaissez très bien ce travaux de M. Bortolussi sur la syntaxe, sur l'ordre verbal. Et sur le théorie linguistique en général, et ses publications, ses travaux sur cet argument, et surtout, je pense à la grammaire latine. Mais pourquoi moi aussi je suis en train de publier une grammaire latine? Son travail est très utile comme un modèle pour moi pour travailler sur ce sujet. Et le titre de sa relation est la. Ah, non, je ne sais pas toujours. Je ne sais pas quand il dit l'Énéide, qui est un livre de 264. Merci, monsieur le professeur. Oui, j'ai un peu changé le titre en mettant explicitement Virgile dans le titre. Alors, c'est un peu téméraire, voire inconscient, de parler de Virgile dans un endroit pareil. Quand on est un simple linguiste, c'est même un peu inconscient aussi de parler d'un passage aussi connu que l'épisode d'Hercule et Cacus, et c'est encore plus inconscient, je pense, de parler des hyperbates, un sujet très rebattu depuis des siècles et des siècles, depuis l'Antiquité. Donc, comme vous le savez, l'hyperbate a donné lieu donc à des commentaires, des classifications depuis les grammairiens antiques. Et c'est un sujet qui a été revisité en France, en particulier par Louis Abbé et par Marzo, dans les études sur l'ordre des mots.
Et avec, à partir de ces études-là, se sont développées, s'est développée une approche de type pragmatique. Et je voudrais donc revenir sur ce point-là, essayer de voir comment, d'un point de vue pragmatique, on peut rendre compte du phénomène de l'hyperbate. Pour ce qui est des classifications issues de l'Antiquité, bon, je vous renvoie à la thèse de M. Popane qui a été publiée donc, en 2017. Et sur l'approche pragmatique, je partirai des travaux de Devine et Stephens, d'une part, et de Powell, ensuite, bon, qui disent explicitement, là je cite Powell, qui disent explicitement que les hyperbates peuvent éventuellement se traiter, et c'est même souhaitable de les traiter en termes pragmatiques. Est-ce qu'il y a un sens à utiliser cette approche-là pour de la poésie? Bon, il est un peu convenu de dire que l'ordre des mots en poésie reste suffisamment libre pour qu'il soit difficile de comparer avec ce qui se passe dans la prose. Malgré tout, Devine et Stephens, qui ont fait donc un ouvrage sur l'ordre des mots en latin et en prose, évoquent ponctuellement la poésie et disent que bien que ce soit deux sujets, enfin deux questions différentes, malgré tout ce qui se passe en poésie n'est pas nécessairement complètement sans rapport avec ce que l'on peut observer en prose. Alors, donc la question est de savoir si on peut regarder un texte poétique en ayant comme alternative à la présentation classique, enfin au modèle poétique issu à Rome de la poésie grecque, évidemment, d'Homère, et de la façon dont les Alexandrins ensuite les ont revisité ces questions-là, est-ce qu'on peut le traiter avec le modèle de Devine et Stephens? Donc, pour essayer, c'est une tentative, je veux dire, c'est pas, je ne prétends pas que cela va marcher au départ. Et quand j'ai commencé ce travail, je ne savais pas forcément si ça aboutirait à quelque chose, donc je vous laisserai attendre la fin, la conclusion, voir si, effectivement, on peut tirer une conclusion. Donc, prenons comme test un passage de Virgile au hasard, et essayons d'étudier un petit peu les types d'hyperbates qui sont présents dans ce texte. Essayons de voir comment elles se situent, comment elles fonctionnent à l'intérieur du passage. Et ensuite, puisque le même épisode se retrouve chez Tite-Live et chez Ovide, essayons une petite comparaison pour voir s'il peut y avoir des échos, des stratégies communes ou au contraire des stratégies tout à fait opposées. Donc pour cibler plus précisément le propos, les hyperbates dont je vais traiter, ce sont les hyperbates prises dans le sens bon, le plus commun, c'est-à-dire ce qui concerne le groupe nominal, les disjonctions à l'intérieur du groupe nominal, même si, a priori, si on considère qu'il y a d'autres types de groupes syntaxiques, on pourrait bien sûr penser qu'il y aurait aussi d'autres disjonctions, d'autres types d'hyperbates que ceux que l'on observe dans le groupe nominal. De fait, il y a des choses qui se passent en présence des prépositions, comme vous le savez tous. Donc, je ne répète pas que la poésie, a priori, présentant un ordre des mots libres, les hyperbates sont phénomènes forcément très marqués en prose, pas nécessairement marqués en poésie. Donc, le rapport entre la norme et puis les constructions marquées n'est pas comparable, certes.
Alors, commençons par la classification des hyperbates. Dans le chapitre consacré aux hyperbates dans Divine Essence, l'essentiel est la distinction entre ce qu'ils appellent les pré-modifieurs, c'est-à-dire les adjectifs ou déterminants, peu importe la terminologie à ce stade, qui sont placés en premier, et les post-modifieurs, quand ces adjectifs ou déterminants sont placés en second, disjoints du nom. Et je vous reprends deux exemples où vous avez tout de suite une interprétation pragmatique. Il parle de topicalisation, c'est-à-dire ce dont on parle, ce sont les légions dans ce premier exemple des philippiques. Et on a disjoint les deux adjectifs, enfin, en tous les cas, le premier adjectif noas, et lui focalisé dans une focalisation contrastive avec le ueteres, qui est dans le deuxième membre. Et un deuxième exemple, où vous voyez que l'adjectif ou le déterminant est placé en premier, quantos excitatrisus, Divine Stephens indique que on a d'une part une focalisation sur le quantitatif pantos et aussi une focalisation secondaire sur risus postposé par rapport au verbe, non seulement disjoint mais postposé par rapport au verbe. Bon, je passe sur les arguments pour soutenir cette hypothèse, mais voilà, c'est pour décrire d'abord le modèle et la structure qui va pouvoir en découler. Powell, de son côté, dans une étude postérieure, reprend les classifications anciennes et les ramène, alors il a éliminé, si vous voulez, la terminologie antique, et il a classé en quatre types d'hyperbates, quatre grands types. Donc le premier type, c'est lorsque l'on intercale un mot en clitique. Bon, c'est une intercalation en quelque sorte mécanique, liée à une question de phonologie. Le deuxième type, c'est lorsqu'on intercale à l'intérieur du groupe nominal, ici, caedem, optumatium, ce sont toujours des exemples que je tire de Powell. Caedem et optimatium, on intercale un terme que l'on peut qualifier d'étranger à ce groupe nominal. C'est un autre constituant de la phrase qui n'est pas repris ici en entier. Un cas particulier, c'est un type d'hyperbate qui a été étudié par Adams, qu'il a appelé verbal hyperbaton, qui correspond dans la terminologie de Powell à short range hyperbaton. C'est quand c'est le verbe qui est intercalé. Le verbe principal en général, le verbe qui est intercalé entre les deux éléments du groupe nominal. Le type C, on a aussi apparemment un adjectif ou un déterminant disjoint du nom, mais avec intercalation à ce moment-là d'un des constituants du groupe nominal. Donc ici un génitif. Ce qui fait qu'en réalité, le groupe nominal reste lui-même dans son intégrité. C'est simplement que les deux termes qui sont dans une relation d'accord se retrouvent disjoints l'un de l'autre. Et enfin, le type D, celui qui était souvent répertorié en premier dans les études anciennes sur les hyperbates, que l'on appelle l'anastrophe, c'est l'intercalation de la préposition à l'intérieur du groupe qu'elle régit. Donc, nous garderons cette classification dans la suite de l'étude, juste pour des raisons de simplicité de la présentation. Alors, regardons maintenant la typologie dans le texte que vous avez dans l'exemplier, donc dans le texte de Virgile, dans le passage de Virgile. Le premier constat, c'est que le type A n'est pas présent dans le texte. Le type B, donc le type A avec l'enclitique intercalé. Le type B, celui où c'est un élément étranger qui est intercalé, est
de loin le plus fréquent. Il y en a 27 exemples. Le type C, celui où c'est un élément qui appartient au groupe nominal qui est intercalé, on en a 4 occurrences sur lesquelles, alors que j'ai énumérées ici. Vous voyez que ce ne sont pas nécessairement des génitifs. En fait, il n'y a que le troisième exemple, les vers 210-211, qui intercale un génitif. Si vous regardez 202, c'est l'inverse. En fait, c'est le génitif qui encadre le nom recteur, Neke. Et de même, en 235, c'est quelque chose d'encore plus complexe. C'est un génitif qui, de second niveau qui encadre les éléments recteurs du groupe nominal. Bon, finalement, le type qui paraîtrait le plus simple et qui maintient le mieux l'intégrité du groupe nominal n'est représenté qu'une fois en scalaire. Et le type D, l'anastrophe, est représenté par un seul exemple, Mastocoué sous Bantro du vers 207. La nature des termes disjoints joue un rôle. Je reprends un tout petit peu l'argumentation de Powell. Pourquoi revenir sur les hyperbates? C'est aussi pour essayer d'introduire des paramètres qui n'étaient pas pris en compte dans les classifications antiques, à savoir la nature des éléments qui sont mentionnés, qui sont utilisés. Deuxièmement, on verra la position respective avant ou après du déterminant ou de l'adjectif. Troisièmement, la distance entre les termes qui sont disjoints, qui peuvent avoir un rôle du point de vue cognitif, en fait. Est-ce que le texte est facilement compréhensible avec les hyperbates? Donc, quand on regarde la nature des termes disjoints, donc des adjectifs de déterminant, on rencontre, vous voyez, soit, alors, c'est un peu arbitraire de dire que quatuor ou moula ou omné ou plurimus ou tous sont des déterminants, mais bon, je reprends ceux qui figurent dans des grammaires un peu scolaires, même si c'est un vrai sujet linguistique de savoir quel est leur statut exact dans une langue comme le latin. Et puis, ce qui fait moins problème, c'est de classer dans les adjectifs qualificatifs, disons, imane, aerei, sicum, praecipiti, etc. Je n'ai pas listé, il y a 27 exemples, donc ça fait beaucoup d'adjectifs. C'est facile d'associer les termes qui sont disjoints et les ramener ensemble, notamment comme on le sait quand il y a des homéothélètes. Et les poètes et les prosateurs jouent, surtout les poètes, jouent sur cette propriété en fait morphologique et phonologique. Alors, maintenant regardons l'ordre relatif des termes qui sont disjoints. Donc, sur les 27 exemples du type B, sur lesquels nous allons nous concentrer. Donc, vous voyez qu'il y a, ce n'est pas du tout équilibré. Il y a 27 occurrences avec l'adjectif antéposé par rapport au nom, ce qui correspond, en fait, à la tendance qui s'est développée depuis les Alexandrins, qui était le renversement de ce que l'on observe chez Homère, c'est-à-dire que les adjectifs ont été disjoints avant. Et il n'y a que cette occurrence où l'adjectif est disjoint après. Donc, si vous voulez, 20 pré-modifieurs de chez Divine et Stephen, c'est 7 post-modifieurs. Ce qui est à prendre en considération ici, si on veut se rapporter à ce qui se passe en prose, c'est de regarder si l'ordre que l'on observe est correspond à la tendance, à l'usage, pour ne pas dire la norme, de ce que l'on observe dans le placement de ces mêmes adjectifs ou déterminants en prose. Donc, ce n'est pas la même chose si
le terme où tu es posé est habituellement de toute façon placé avant le nom. Donc là, la différence, c'est juste qu'il est disjoint. Mais s'il est disjoint et dans une position non usuelle, évidemment, ça accroît l'effet d'étrangeté et le besoin de... Enfin, la perception est moins naturelle, si je puis dire. Et de la même façon, la distance entre les termes qui sont disjoints aussi pose le problème, comme je le disais tout à l'heure, de l'interprétation que l'on peut faire immédiatement, rapidement de l'énoncé. Bon, pour prendre un petit exemple, si l'on prend l'adjectif infernus qui apparaît dans le texte, donc, et l'adjectif plurimus, donc dans les exemples avec hyperbate de 244 et des vers 227-228, avec une distance qui n'est pas très considérable, qu'en est-il habituellement de ces adjectifs infernus et plurimus? Habituellement, infernus, effectivement, est antéposé. Et on trouve une sorte de motif littéraire et poétique qui fait que lorsqu'on rencontre infernus, assez facilement on s'attend à rencontrer la demeure, le monde infernal. De la même façon, plurimus est très majoritairement antéposé, ce qui fait d'ailleurs que c'est pour cela qu'on le traite souvent par cette norme de placement antéposé comme déterminant. Si l'on regarde maintenant le nombre de mots intercalés, ce qui est frappant, c'est que finalement, les disjonctions sont très, très majoritairement faibles. C'est-à-dire qu'il y a un mot, peut-être deux, enfin souvent deux aussi, qui sont intercalés. En revanche, ce que Powell appelle long range hyperbaton sont quand même relativement réduits. J'ai relevé, vous voyez, quatre exemples avec trois mots intercalés et seulement deux avec quatre et aucun exemple avec plus de quatre mots intercalés. Et si on regarde maintenant plus précisément ce qui se passe concernant le mot intercalé, on constate que sur les 11 exemples où il y a un seul mot intercalé, dans 7 cas, c'est le verbe. Et ce n'est pas, c'est intéressant du point de vue évidemment de la compréhension immédiate de la phrase, c'est qu'on se retrouve en fait avec le verbe et puis soit le sujet, en fait, soit un complément qui encadre le verbe. Donc finalement, si on était dans une langue romane avec l'existence véritablement de groupes verbaux, on pourrait dire que en fait on a un groupe verbal, comme on a, comme on mentionnait tout à l'heure, des groupes nominaux dans lesquels on intercalait un terme régissant ou bien quand on a l'anastrophe où la préposition régit les deux termes qui encadrent. Alors, une fois que on a fait ce recensement, évidemment, il faut prendre des précautions, c'est que, bien sûr, même si on a une approche en termes pragmatiques, il faut avoir en tête que tout le monde reconnaît que même avec une approche pragmatique, on ne balaye pas les différents facteurs qui peuvent intervenir. Bon, Maruso parle, enfin, Ave parle de mise en relief, Maruso parle d'expressivité, d'effet d'attente, qui sont des termes plus génériques, plus généraux que ce que ensuite la pragmatique va mettre derrière topicalisation ou focalisation, bien sûr. Bon, je recite Ave. Un paramètre, bien sûr, à prendre en compte, ce sont les aspects rythmiques. Alors, Kempinster
parle de qu'il faut prendre aussi en compte les aspects rythmiques. Il parle de la prose. Il parle de la prose, mais bien sûr à plus forte raison. Il y a aussi du numerus, il y a même fondamentalement du numerus en poésie. Et donc, à plus forte raison, ces aspects rythmiques doivent être pris en compte et avoir un rôle probablement indépendant en poésie. C'est là que commence un peu le travail de distinction ou pas entre ce qui relèverait d'aspect pragmatique et ce qui relèverait simplement d'une tradition littéraire bien connue. Alors, pour reprendre maintenant une interprétation pragmatique, en reprenant les exemples de Divine Stephens, c'est une version de la pragmatique qui a une dimension en même temps syntaxique. C'est-à-dire que dans un exemple comme Misericordiam spoliato consulatus magnam habere debet, Divine Stephens explique que Misericordiam a été déplacé syntaxiquement pour être placé en tête de phrase devant le sujet dans une position de topique. Et que l'effet secondaire induit par ce déplacement de miséricordiam, c'est que magnam est à ce moment-là focalisé, apportant l'information saillante, pour le dire dans des termes de Marousseau. Inversement, dans le cas où c'est nullum, dans l'exemple de Murena, qui est déplacé, à ce moment-là, l'adjectif aussi est déplacé et est placé dans une. Il est focalisé, lui, dans la position initiale. Powell a essayé, justement, à partir de sa première classification, d'établir un certain nombre de ce qu'il appellerait des lois. Ou du moins des règles, rules. Alors il parle de long range hyperbaton, mais les catégories qu'il énonce ici, ce sont celles qui sont déjà énoncées 4 ans auparavant par Divine et Stephens, et pour tous les cas d'hyperbat, même quand c'est avec une relative proximité entre les deux termes disjoints. Donc on distingue des démonstratifs, des quantitatifs, vous voyez les quantifiers, qui dénotent la quantité ou la taille, des degrés de mesure, etc. Donc des catégories particulières d'adjectifs ou de déterminants qui ont la propriété, ont la faculté à être disjoints et antéposés. Et ça, c'est pour la prose. Et ça a l'air d'être assez systématique comme type d'adjectifs qui sont disjoints en prose. Donc ça vaudra la peine de regarder si ce sont les mêmes types d'adjectifs qui sont disjoints en poésie. Donc voilà la classification telle qu'elle apparaît dans Divine Stephens. Et vous voyez que ce qui est exclu de la catégorie des adjectifs qui peuvent être disjoints en prose, ce sont les adjectifs purement descriptifs. Et pourquoi les adjectifs descriptifs ne peuvent pas être disjoints? Parce que, en fait, ils ne peuvent pas être topicalisés, puisque les adjectifs ne peuvent pas être des topiques de l'énoncé, mais ils ne peuvent pas non plus être focalisés. Ou alors, pour être focalisé, il faut qu'en quelque sorte qu'il soit recyclé dans des catégories avoisinantes, comme on va le voir. C'est-à-dire, pour être focalisé, on prend un exemple initial, on avait l'adjectif magnus, misericordiam magnam. Bon, magnus peut être focalisé parce qu'on peut faire un contraste entre magnus et parus. On va dire, c'est grand par opposition à petit. Si vous prenez l'adjectif, je ne sais pas, herbosus,
ne pouvez pas faire de contraste sémantique avec un autre adjectif. Il n'y a pas d'antonyme en quelque sorte. Donc, voici le relevé, non exhaustif bien sûr, mais effectivement on trouve des quantitatifs, un certain nombre de quantitatifs qui sont les mêmes que l'on trouve en prose, qui sont disjoints dans le texte. On trouve également des évaluatifs, c'est-à-dire des adjectifs qui justement peuvent avoir des antonymes. Des restrictifs, alors ce qui est appelé restrictif dans leur terminologie, qu'on pourrait aussi appeler relationnel, faire un écho à la communication de Madame Kircher. L'AEMUS qui permet aussi d'avoir des systèmes d'opposition. Et puis après, on a tous les descriptifs, et ils sont nombreux, donc qui a priori échappent aux observations, aux interprétations qu'on voudrait donner. Penchons-nous maintenant sur l'articulation entre la dimension de la forme poétique et de ses hyperbates. La majorité des hyperbates sont à l'intérieur d'un seul vers. Vous voyez, 17 sur 27, avec diverses possibilités, quelques-unes qui sont très marquées. Par exemple, le fait que Quatuor et Tauros constituent les deux bornes du même vers. Donc on a les deux termes les plus importants du vers, enfin les deux positions les plus importantes qui sont occupées par les deux termes disjoints, et cela crée une hyperbate avec le maximum d'écart en fait, pour un vers donné. Même chose au vers 235, donc là c'est un cas très spécial. Puis nous avons des cas où il y a l'un des termes qui occupe une position saillante, et l'autre, pas nécessairement, mais en tous les cas, les positions initiales ou positions finales sont réputées être particulièrement pertinentes pour le vers. Donc, si l'on prend l'hyperbate que j'ai déjà cité, l'hyperbate verbale du vers 211, opaco est postposé par rapport au verbe. Donc, en soi, d'être postposé par rapport au verbe dans cette disjonction, il est dans une position marquée. Et qui plus est, il est à la finale du vers. Donc, si on était en prose, ça serait déjà une hyperbate avec une valeur particulière de focalisation de l'adjectif. Le fait que cela épouse le rythme du vers rajoute ou duplique le marquage de cet adjectif. Identique avec Kawernae, cette fois-ci avec le nom qui est postposé. Si on reprend justement l'adjectif umbro ou umbrosus, ce qui est un adjectif descriptif, donc qui ne devrait pas entrer dans les phénomènes spécifiques de focalisation, etc. De réinterprétation pragmatique. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cet adjectif umbrosus apparaît avec une relative fréquence en poésie et qu'il apparaît presque systématiquement avec une hyperbate. Déjà à l'intérieur du corpus virgilien, donc un exemple des géorgiques, mais aussi facilement chez Propers, que ce soit d'ailleurs avec une position initiale de l'adjectif, comme dans le premier exemple de Propers, ou bien dans une position interne dans le deuxième exemple. Un des critères bien connus, c'est que pendant que l'un des termes occupe une position très marquée, finale ou initiale, l'autre terme occupe aussi fréquemment une position marquée par rapport aux différentes coupes possibles. Je ne cite que deux exemples parmi d'autres dans le texte, y compris pour un exemple en 227, où foutus
n'est pas un adjectif particulièrement spectaculaire du point de vue descriptif. Et en revanche, l'exemple 211 que je n'arrête pas de répéter est particulièrement intéressant parce que Saxo est juste à l'intermédiaire entre une position pentélinaire, une coupe pentélinaire et une coupe ftélinaire. Si j'en ai regardé là essentiellement des exemples avec le placement final, je pourrais évidemment citer aussi des exemples avec l'adjectif à l'initial, disjoint à l'initial. Je ne recommence pas l'argumentation. Les choses se compliquent maintenant quand on a une disjonction aussi entre ce qui se passe du point de vue syntaxique et ce qui se passe du point de vue métrique. C'est-à-dire lorsque la phrase court sur deux vers et que l'hyperbate se retrouve en quelque sorte à cheval sur les deux vers. L'un des termes dans un vers, l'autre dans l'autre. Avec des positions particulières qui sont très marquées dans les exemples ici de Virgile, puisque l'on a soit des rejets, une structure en rejet, c'est-à-dire les exemples de 244 et 203, où l'adjectif est focalisé, et d'autant plus focalisé qu'il est rejeté sur le vers suivant. Et inversement, un contre-rejet, dans le premier exemple de 237-238, où Imis finit le vers et laisse en attente l'arrivée du nom qui apparaît pas tout à fait tout de suite, puisqu'il y en a deux termes intercalés dans le verbe, sur le vers suivant, radicibus. Regardons maintenant, donc là, on a revu des exemples finalement assez connus, des systèmes assez connus dans la poésie latine, dans Virgile en particulier. Regardons comment Virgile utilise les hyperbates dans l'économie du passage. Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier dans cette utilisation des hyperbates? Le premier constat, c'est que ce n'est pas une utilisation particulièrement massive. Au contraire, si je puis dire, puisqu'on a autant de groupes nominaux qui restent homogènes que de termes que de groupes nominaux qui présentent des hyperbates. Et on verra tout à l'heure la comparaison avec Ovide qui va être assez marquée. Et dans la typologie des adjectifs avec hyperbate ou sans hyperbate, ce qui est notable, c'est qu'on retrouve en fait éventuellement les mêmes types d'adjectifs avec hyperbate et sans hyperbate, y compris les quantitatifs, y compris ingens, où on a trois exemples d'un côté et un autre exemple de l'autre. Trois exemples avec hyperbate, un exemple sans hyperbate. Et après, j'ai essayé de faire des rapprochements sémantiques, par exemple, entre Ephéra qui présente une hyperbate et Furens qui n'en présente pas. Et puis, chose troublante pour laquelle j'avoue n'avoir aucune explication et même pas le début véritablement d'une hypothèse, il y a six vers, même sept vers, avec six groupes nominaux consécutifs dont aucun ne présente d'hyperbate. Et pourtant, ils ont des adjectifs descriptifs. Alors, bon, peut-être que ce sont des adjectifs pas très spectaculaires, si je puis dire, pas très pittoresques. Bon, enfin, malgré tout, Westus n'est pas si éloigné pour le sens de Ingens. Et Ingens lui-même apparaît, vous voyez, dans cette série-là. Est-ce que le passage est moins spectaculaire aussi, moins épique? Enfin, je vous laisse regarder, je n'ai pas eu le sentiment que tout à coup il y avait une baisse de la tension dramatique
à ce moment-là. Donc, je veux bien toute tentative d'explication qui pourrait éclairer ma propre lanterne pour l'éventuelle publication. Bon, on l'avait déjà vu, sur les quatre types d'hyperbates, en fait, il n'y en a vraiment qu'un qui soit très représenté. Mais, comme on le verra, ce n'est pas forcément très différent d'Ovid. Et puis, on n'a quasiment pas d'hyperbates entrelacés, qui sont réputés être un des éléments poétiques particulièrement fréquents. C'est quand même assez étonnant, finalement, que dans un passage aussi travaillé, on n'observe qu'une seule hyperbate entrelacée. Alors, c'est vrai que les hyperbates entrelacées, d'après, il y a un enjeu cognitif que développe ici Hofer dans son étude, dans son article, c'est que cela demande une attention particulière pour arriver à reconstruire la signification de la phrase, si l'on s'écarte de formules enfin, un petit peu systématiques que l'on trouve en poésie. Donc l'exemple que l'on a, je vous le redonne, en 225-226, où manifestement il y a un effet de mimesis, la disjonction mime l'événement de la rupture des chaînes qui soutiennent, qui maintiennent le rocher. Et cet effet de mimesis, on sait qu'il est très utilisé chez les poètes dans cette perspective-là. Donc finissons avec les deux comparaisons, avec Tite-Live. Premier constat, sur les 22 groupes nominaux du passage de Tite-Live, il y a 3 hyperbates en tout et pour tout. 2 du type C, c'est-à-dire avec un des constituants du groupe qui est à l'intérieur, donc ce qui ne pose pas a priori de problème d'homogénéité du groupe nominal. Et un seul de type A, qui est très très banal, évidemment. Alors, enfin, de type A, pour dire que ce n'est pas vraiment un enclitique, mais c'est là le phénomène quand même mécanique de la syntaxe du latin, qui fait que le relatif de liaison doit être mis en position initiale et qui va être suivi d'une conjonction qui va introduire éventuellement une subordonnée. Il n'y a rien de très inattendu là derrière. Pourquoi ? Que remarquer ? On est dans un passage qui est réputé être à la limite évidemment de l'histoire, même un peu au-delà des limites de l'histoire. Cette évocation du passage d'Hercule sur le site de Rome et de ce combat de titans avec Cacus, même s'il n'a pas la dimension que l'on observe chez Virgile. Mais on sait que Tite-Live recourt aux hyperbates. Il recourt volontiers aux hyperbates et particulièrement dans les premiers livres. Et Divine et Stephens donnent des exemples nombreux des hyperbates. Donc c'est quand même, et des hyperbates de type B, c'est-à-dire avec interpellation, notamment du verbe. Donc, particulièrement remarquable que dans un passage qui pourrait faire écho, enfin voilà, à une tradition éthique d'Hercule et Cacus, on n'est pas du tout l'hyperbate. Donc, pas du tout d'effet poétique lié à l'hyperbate. Comparaison avec les fastes. Si on réadditionne l'ensemble des hyperbates, on constate que dans les 26 vers d'Ovide, on a autant d'hyperbates que dans les 66 vers de Virgile. Donc ça veut dire tout de suite que, en gros, on a une hyperbate tous les deux vers chez Virgile, et on a plus d'une hyperbate par vers chez Ovide. Donc, s'il y a plus d'une hyperbate par vers, ça veut dire qu'il y a des hyperbates entrelacées, nécessairement. Et, de fait, il y a 6 cas d'hyperbates entrelacées.
Donc c'est vraiment sans commune mesure avec ce que l'on observe chez Virgile. Le type A n'est pas représenté. Le type C est représenté un peu comme tout à l'heure avec quatre exemples. Le type D est aussi un seul exemple, donc ça veut dire que toujours c'est le type B qui est le plus représenté, avec un bon nombre d'hyperbates verbales, avec, comme chez Virgile, un certain nombre d'exemples avec les positions initiales ou des positions finales, qui pourraient donner lieu à des interprétations assez comparables, hein, notamment le premier exemple, nulla, videt, coherens, taciti, vestigia, furti. Donc, je ne rentre pas, je ne fais pas une étude des hyperbates chez Ovid. Il y a des spécialistes qui en ont déjà fait des très intéressantes. Alors, je vais finir avec une diapositive qui est intitulée de manière bien hasardeuse conclusion. Parce qu'en réalité, je serais un peu incapable de conclure réellement à ce stade. Disons que ce que l'on peut au moins esquisser, c'est qu'il y a des cas où il y a superposition avec un usage poétique de l'hyperbate sur les modèles classiques qui, par ailleurs, peut donner lieu à une interprétation de type pragmatique comparable à celle que l'on peut faire en prose. Voilà. Donc, on reprendrait par exemple l'exemple des vers 203, 204, 257, 258, hein, avec plurimus ou ingens que l'on avait vu tout à l'heure, hein, dans des positions marquées, avec une focalisation que renforce en fait la dimension métrique. Et d'autres exemples où, je reprends l'exemple avec vous tous, il me semble difficile de donner une dimension, de voir une focalisation particulière dans le fructose postis, en tous les cas sur fructose, peut-être sur postis. Mais cela vaut la peine de reprendre exemple par exemple, parce que de temps en temps, on a des adjectifs que l'on peut qualifier de descriptifs qui se retrouvent dans des contextes où en fait on voit qu'ils jouent le même rôle qu'un quantitatif ou un intensif. Notamment, il y a un passage que vous retrouverez où vous avez une coordination entre deux groupes nominaux, l'un qui a plurimus et l'autre qui c'est plurimus fumus et l'autre qui a atra, j'ai oublié le nom. Donc on coordonne, il y a beaucoup de fumée et donc la caverne est sombre noire. Donc les deux adjectifs vont complètement ensemble et ont la même valeur, à la fois descriptive et quantitative. En fait, vous voyez, ça tire à terre du côté d'une sorte d'intensité. Donc voilà, je m'arrête là dans des non-conclusions, enfin disons des esquisses de pistes éventuellement à creuser davantage, et je suis évidemment très preneur de toutes les suggestions ne manqueront pas de venir tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette relation qui a donné un cadre de beaucoup d'exemples, de possibilités et de cette type de hyperbate dans les villes et beaucoup de pistes, comme vous avez dit à la fin, qu'il faut explorer. Et je crois qu'il faut explorer surtout pour mettre le bout de voir quelle était la création poétique de Virgile, l'identité, la création poétique qui est faite avec ses moyens, le battre les autres. Et ça, je crois que c'est très important pour voir la technique
Julien, la technique poétique dans les émettres de Pic de Vigile. Oui, je vous remercie. Alors, si je peux juste vous rajouter, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que l'on avait une recherche très, très précise, très fouillée du passage, justement, puisqu'il a éventuellement renoncé à utiliser des hyperbates, en comparaison avec Ovid, où on a l'impression que c'est une mécanique qui roule sur ces hyperbates. Donc, effectivement, c'est une poétique différente. Et je penserais qu'il y a une différence. Je pense aussi. Je ne connais pas les hyperbates en Ovid, mais je crois qu'il y a une différence. Oui, je pense aussi. Maintenant, je vais penser de la discussion. Après chaque relation. Alors, je vous invite à poser des questions, des remarques, des observations sur la relation de M. Borgoussi. On peut terminer même la moitié qui est connectée. Non, il ne peut pas, c'est possible. Le point de vue que je trouvais intéressant, c'est qui. Anna, s'il vous plaît. Venez ici. Emma, il n'est pas possible de venir. Oui, mais. Merci Anna. Oui, c'était la piste finale sur le fait que des adjectifs descriptifs, en fait, suivant le contexte, peuvent indiquer des notations qui ne sont pas purement descriptives et pouvoir donner lieu effectivement à des contrastes. Oui. Enfin, ce serait le critère, effectivement. Et d'ailleurs, Divine Stephens indique que les adjectifs descriptifs peuvent être utilisés avec une focalisation, par exemple, lorsqu'ils dénotent une propriété qui va être ponctuelle, transitoire, donc qui pourrait ne pas exister tout simplement. Donc à ce moment-là, ça devient contrastif entre être à un certain moment comme ceci et ensuite ne plus l'être. Madame Kirchner, s'il vous plaît, venez. Je vais me demander si l'hyperbate n'était pas une manière de faire passer un adjectif d'une catégorie dans une autre. Oui, c'est un peu la piste, effectivement. Oui. Voilà, parce qu'effectivement, on remarque que beaucoup d'adjectifs peuvent avoir une certaine fonction ou une autre. Et il y a une fonction qui est quand même statistiquement la plus fréquente. Mais l'hyperbate peut, il faudrait vérifier, parce que c'est en l'air, si l'hyperbate n'est pas un moyen de faire changer de catégorie. Oui, enfin. Oui, merci. Et d'ailleurs, un des critères par lesquels on pourrait le voir, c'est non seulement l'hyperbate, mais aussi est-ce qu'il y a un changement de position par rapport à l'usage. Usage habituel. Il semblait que là, c'était toujours la même position. Oui. Après, c'est-à-dire, c'est facile à voir pour. Enfin, on peut assez facilement dire que pour les adjectifs quantitatifs, on sait qu'ils sont de préférence préposés. En revanche, pour chaque adjectif descriptif, qualificatif, en fait, il faut faire la recherche systématique, parce que bien sûr, on a des classifications, on a des propositions de classification de normes disant bon, tel type d'adjectif est préférentiellement antéposé ou postposé,
Mais en réalité, il faut le faire adjectif par adjectif. Donc, c'est pour cela que je prenais l'exemple de nombreux sources. Voilà. Qui était. Oui, voilà. Bon, s'il n'y a pas des autres questions, je vous remercie. Merci. Ma forse non è necessario perché se Irene va via. Io vi lascio così. Adesso ti spiego. Vi spiego. Non ti voglio cacciare, ma così. Sì. Devi dirmi solo cosa premo. Non devi dire la prima, lascio la rotellina. Ah, ahia. Va avanti, ecco, non avere fretta che ci mette un attimo a. La rotellina. Questa qui. Poi quando ci se vuoi. Come fare fa, devi farlo tu, dopo cambiamo posto. Puoi fare la rotellina. Allora Irene resta qui. Resta qui, ti faccio vedere io. Resta. Resta perché ti lascio poi il testo così. Grazie. Dice Paolo che è troppo complicato. Grazie. Adesso ero abituata a fare. Ma se no puoi anche cliccare qui, guarda, puoi fare la freccina. No, ma comunque ce l'ho qua vicino, quindi. Ce l'ho qua, dopo andiamo così. L'unica cosa è non toccare. No, così non questo. Ci spostiamo. No, resta qui. Mi fai compagnia? Fammi cenno. Il presidente così lontano? Bene. Ci stringiamo un po', dai, non mi piace vederti lì così. No, non si sta. No, resta. Grazie avec Anna Blandini e Paolo Coccetti. Voi come sempre abbiamo, ma je voudrais dire quelques mots. Sono dei amici, no. Come se la Anna che fa un parcours che va da Bologna a Toulouse, a Bologna, però sono assegnato all'Anchisti Generale. No, mentre no, se volano toujours. A volare. E meglio come se il percorso dell'Anchisti, sintattica, la grammatica e. Ses travaux sur ces sujets, il a vraiment laissé un trésor d'observations, de travaux, de nouveaux idées sur les méthodes de la linguistique. Et bien, je vous demanderai, je parlerai un peu après de ces choses. Et quand je présenterai le volume avec les écrits à l'Union et à l'Union. Paolo Coccetti, che insegna a Roma Tor Vergata, il più sul plan della linguistica storica, dire della terra della langue italica, della langue la ferma di sotto tra voi, ma soprattutto sul rapporto a la terra della langue italica, non solo italica, ma anche le tedesche, le sotto langue italiche. E j'ai beaucoup utilisé son. Le volume sur l'histoire de la langue latine, le vieux volume qui est encore très utile, selon moi, qu'il faudrait aussi avoir une autre édition, si possible, mais je pense qu'il n'était pas facile. En tout cas, la relation de Anna et Paolo, le titre est Damen à Mère, Virgile, le Verre. 79, pour la modalité des cultures, le contexte non assertif et la naissance du conditionnel. Merci. Alors, une toute petite prémisse pour la modalité des dictos. L'appellation des dictos se référant à la modalité remonte au Moyen-Âge. C'est notamment Thomas d'Aquin qui établit la différence entre la modalité des ré et la modalité des dictos, comme vous le voyez dans le numéro 1. La modalité des ré sauve la présupposition d'existence pour le sujet de la phrase et permet un jugement de vrai ou de faux en ce qui concerne la prédication attribuée à ce sujet.
En général, l'indicatif est le mode qui mieux exprime la modalité des raies. Mais il existe aussi des exceptions, des emplois non déictiques de l'indicatif, ce que les grammaires italiennes appellent les falsi conditionnali, sur lesquels nous enquêterons au point 3.1. La modalité des dictos est typique des contextes ouvrant sur des mondes possibles, pour lesquels on ne peut pas formuler un jugement de vérité, puisqu'on ne peut pas sauvegarder la présupposition d'existence pour le sujet. Dans le contexte des dictos, la modalité a la portée la plus entendue et étendue que tout autre élément de la phrase, comme les remarques dans l'exemple 1, Thomas d'Aquin. Selon la définition classique de la linguistique actuelle, la modalité, modus, est l'attitude prise par le locuteur à l'égard du contenu, le dictum. En latin, le mode qui le plus souvent exprime la modalité des dictos est le subjonctif, surtout lorsqu'il s'agit de véhiculer un jugement épistémique de la part du locuteur, notamment les cas du potentiel et de l'irréel. Or, notre hypothèse est que le conditionnel roman couvre le domaine des modes subjonctifs et, plus en général, tous les domaines de la modalité non assertive, c'est-à-dire la modalité des dictos. Bon, maintenant on passe à la naissance du mode conditionnel, bien sûr, dans le roman. L'apparition du mode conditionnel est un phénomène pan-romain. Il se rencontre dans les propositions indépendantes, dans la prose du système hypothétique et plus rarement dans les subordonnées. Dans les langues romanes, c'est le mode conditionnel qui traduit l'instance de non-assertivité d'un contexte d'édicto. Ce n'est pas par hasard que ce mode, qui est inconnu des langues anciennes, est issu des langues romanes, dans les langues romanes de la périphrase, composée par l'infinitif plus imparfait négatif du verbe avere. Par esempio, cantare haberem, canterei en italien, je chanterai en français. La formation classique du conditionnel, mais aussi de cantare habri, io canterei en italien. Pour clarté, il faut préciser qu'il y a deux types de conditionnel. Le conditionnel en ia, qui est le répandu dans le dialecte du Nord, et le conditionnel qui est devenu canonique dans la langue littéraire italienne, en ei. Mais il y a une différence, l'un est issu de l'imparfait de l'indicatif, c'est-à-dire, par exemple, cantaria vient de cantare habebam, alors que canterei vient de cantare. Par exemple, chez Dante, on trouve le D. Il y a pour le conditionnel du verbe pouvoir, potrebbe, la troisième personne, et poria, ancora la troisième personne. Les textes du latin tardif du 4e jusqu'au 8e siècle, bien sûr, après Jésus-Christ, témoigne de la tendance à remplacer les subjonctifs par les formes analytiques avec le verbe avere, qui sont à la base de la formation du nouveau mode. La fonction sémantique de cette tournure correspondant au mode conditionnel romain est manifestée par la potence des phrases conditionnelles où l'état imparfait et avere, ebam, exprime la possibilité, alors que le parfait et le plus que parfait exprime l'irréel, comme chez les auteurs chrétiens, ce sont les exemples de A, de B et de C. Significativement, dans les tests très tardifs, se retrouvent des variations entre subjonctif et la tournure avec avere dans le contexte qui développe le conditionnel romain. C'est l'exemple de D. C'est un jeu de mots. Mais les données du latin tardif ne font pas ressortir aucune distribution géographique
dans l'emploi des temps du passé, notamment le parfait, l'imparfait, le plus que parfait du verbe avere dans les locutions qui engendrent l'expression du conditionnel romain. C'est ce qu'on attendrait par rapport à la répartition entre l'imparfait abebam et le parfait abui dans la formation des conditionnels de langue romane qu'on vient de rappeler. L'effort de Philippe Tillman, avait écrit un grand article au 19e siècle, mais qui a fait avec elle vraiment remarquable sur les occurrences du verbe avere avec l'infinitif, et ce qui est encore un point de repère pour ce sujet. Donc, l'effort de Tillman de reconduire le texte ou les auteurs tardifs qui présentent le parfait de avere à une origine italienne. Parce que je viens de rappeler que les conditionnels du type italien littéraire devenu standard du type canterei, potrei, parei, etc. est plutôt concentré en Italie, alors que les autres langues, surtout de la partie occidentale des langues romanes, les conditionnels issus de l'imparfait, comme en français, je chanterai, je ferai, etc. Donc, Tillman avait essayé de retracer dans les attestations du latin tardif un emploi fait par les auteurs d'origine italienne. Mais cet effort, il faut reconnaître, a échoué. Inversement, le parfait et avere est employé dans les exemples de cette tournure chez Grégoire de Tours, notamment dans l'expression in Gallias avui iam redire, où Max Bonnet reconnaît une simple variante de ire abebam, c'est-à-dire j'irai. L'emploi du plus massif de tournure avec avere ou le verbe modo posse de bere belle chez les auteurs d'origine africaine qui avaient amené Tillman à localiser dans leur pays les foyers du rayonnement aux autres aires de l'Empire romain relève probablement des choix stylistiques reflétant la langue parlée dans certains ouvrages des auteurs chrétiens. Donc cet emploi de bere relève d'une sorte en phase, un emploi emphatique. Comme il est bien connu, le futur roman remonte à une formation parallèle à celle du conditionnel et de l'aussi analytique. L'infinitif plus abeo au présent de l'indicatif, c'est-à-dire cantare abeo, donne lieu à canterò en italienne et je chanterai en français. Le parallélisme formel entre futur et conditionnel se distinguant à l'origine par le temps du verbe avoir, le présent aveo pour l'un, le parfait abebam ou parfait abui pour l'autre, a donné lieu à la denomination du conditionnel comme futur du passé. Ce parallélisme ne relève pas du hasard parce que les deux tournures analytiques composées par l'infinitif suivi par avere sont assez proches du point de vue d'une analyse sémantique et discursive. C'est la page. Non, c'était renverser la page. Donc, d'une analyse discursive dont les noyaux communs sont les fonctions modales, comme nous le verrons dans la suite. L'imparfait est, avec le futur, le point d'éthique de temps verbaux, et pour cela, il peut ouvrir sur le monde conçu comme seulement possible. Le parfait indicatif connaît aussi des emplois non d'éthique, et pour cela, il se prête à entrer dans la composition de mode non assertif. La dérivation s'appuyant sur l'imparfait est le parcours le plus fréquent et répandu dans la vision de langue romane, de se réaliser en français.
Nous essayerons de motiver d'un point de vue sémantique ce lien privilégié entre le subjonctif, l'imparfait et l'indicatif et le conditionnel. On passe au point 2, le mode conditionnel, un opérateur de temps, aspect et modalité. Et le fil rouge de notre analyse sera d'enquêter sur les rapports entre le temps et l'indicatif, qui sont plus fréquemment assujettis à l'emploi modal, notamment le futur et surtout l'imparfait, et les modes, les subjonctifs du latin et les conditionnels romains. On devra penser au conditionnel comme un véritable opérateur dans le domaine du temps, aspect et modalité. Dans son emploi, les relations entre la modalité qui est dicto non assertive, l'aspect qui est l'inaccompli pour le conditionnel simple et l'accompli pour le conditionnel composé, la valeur temporelle se croise d'une manière surprenante. Certains linguistes, surtout français non latinistes de formation, parlent du conditionnel en termes de futur dans le passé, tout court attribuant à ce mode un sens purement temporel. En fait, les classements de ce mode sur l'axe temporel et le rapprochement du futur est plus ancien. Les appellations de futur du passé ou de deux futurs, se référant au conditionnel et au futur, se retrouvent dans les grammaires historiques du français du XIXe siècle. En 1890, Max Bonnet, en donnant compte des emplois des verbes avec infinitif chez Grégoire de Tours, s'exprime de la manière suivante. C'est un futur dans le passé, c'est comme appelle aujourd'hui en grammaire française, un conditionnel. Dans la grammaire de Port-Royal, les formes verbales telles que j'aurais et j'aurais eu ont un classement purement temporel, l'un comme parfait, l'autre comme plus que parfait. Alors que le terme conditionnel ne renvoie pas à un mode proprement dit, mais à l'emploi dans les phrases conditionnelles. Les temporalistes rapprochent ainsi le futur simple du conditionnel simple, qui s'appelle le futur du passé. Le conditionnel simple serait en relation à l'imparfait, c'est que le futur est en relation au présent. En d'autres termes, le conditionnel serait le futur de l'imparfait. Ce rapprochement semble plus évident pour le conditionnel français. En effet, le morphème vrai du français, je chanterai, etc., synchroniquement donne l'impression de réunir les morphèmes de l'imparfait. C'est bien, bien sûr, et celui du futur de l'indicatif. Mais du point de vue diachronique, les choses sont un peu différentes, ce qui est souvent négligé par ceux qui s'occupent des fonctions du conditionnel dans les langues modernes. Le verbe avere a fourni le morphème flexionnel alla conjugaison du futur et du conditionnel, c'est soudain au verbe porteur de la signification lexicale. Ces résultats relèvent d'un procédé de grammaticalisation du verbe avere, différent quant à l'ordre des mots de celui qui a produit l'auxiliaire des temps composés du système verbal roman, tel que les passés composés, par exemple en français j'ai dit, en italien ho detto, etc. Dans la formation des temps du passé avere, dans la formation du temps du passé, avere devient un outil grammatical qui précède le verbe principal, en gardant son autonomie morpho-lexicale, alors che dans le futur et dans le conditionnel, cette autonomie a disparu. Dans ce cas, le verbe avoir n'est plus reconnaissable en tant que l'ordre syntaxique à la base des temps composés du passé est cohérent avec l'ordre syntaxique distinguant le langue romane du latin classique, où le verbe qui porte les informations des tic, c'est-à-dire temps et personne, est posposé, comme le montre contrastivement l'exemple tel che en latin dicere possum par rapport à je peux dire,
italien posso dire, fare de solet en italien de solito fare, o en français il a coutume de faire, o aquem instructa mabet tiene schierato l'esercito, o il tiene l'armée à l'état de déployement. En revanche, l'ordre figé à la base de la formation du futur du conditionnel est incohérent avec l'ordre non marqué de l'environnement et, inversement, il est cohérent avec l'ordre non marqué du latence. Donc, les choses sont totalement renversées. Jim Adams, en attirant l'attention sur ces faits morphosyntaxiques, qui est à la source du futur et du conditionnel, a mis en relation la postposition derrière, renversée à l'ordre attendu dans les langues romanes, avec le rôle de l'auxiliaire qui est mis en relief par l'accentuation du mot, qui, au futur et au conditionnel, porte l'accent sur la syllabe finale, ce qui est tout à fait évident. En italien, però, però, dirò, en français, les choses, il y a un accent plus fixe, donc c'est moins perceptible. L'accentuation dans la conjugaison du futur et du conditionnel, issue du fusionnement du verbe avere et à la fin du verbe principal, focalise le rôle de ce verbe, qui, aboutissant à un morphème accentué, a créé un obstacle all'affaiblissement auquel les syllabes finales sont plus ou moins assujetties dans l'autre romane. À juste droit, Adams a rejeté d'une part la conclusion de Poleman, qui avait mis en relation l'ordre de avere aux variations sociolinguistiques, notamment le registre colloquial, et celle de Pipster, qui avait séparé décidément l'accent du futur roman des tournures latines de avere, posse, de bere, belle, avec l'infinitif. Les valeurs modales sont les raisons communes qui ont amené au parallélisme morphosyntaxique sous-jacent l'ordre figé, qui est à la source des formations du futur conditionnel roman. Comme il est notoire, le futur est un opérateur dans le domaine des temps, aspects, modalités, tout comme les conditionnels, l'on a déjà rappelé. Les emplois se distribuent au niveau temporel de la modalité épistémique et au niveau illocutuaire, tout comme les emplois conditionnels. Par rapport au futur, le conditionnel est simplement conjectural, il exprime un engagement du locuteur qui est plus faible par rapport à celui du futur, qui esprime lui une véritable inférence avec un degré di probabilité bien plus élevé. Il reste donc à analyser la différence entre futur et conditionnel qui se manifeste en diachronie dans les temps différents du verbe latin avere. Le présent pour le futur, l'imparfait ou le parfait pour le conditionnel. Les analyses des tournures latines avec l'infinitif et le présent de avere, qui sont à la source du futur roman, montrent qu'elle exprime en grande majorité l'obligation et la nécessité, alors que celle avec le temps du passé de avere ouvre vers la possibilité ou les situations non factuelles. L'examen du conditionnel dans la perspective du futur du passé nous dévoile que les connexions temporelles sont nombreuses et intéressantes, parce qu'elles se trouvent au carrefour de l'emploi synchronique de ces modes dans le subordonné du principal au temps du passé. Et la raison diachronique, à la base de son origine, de l'infinitif suivi par l'imparfait ou le parfait avere. Toutefois, l'interprétation temporelle comme valeur primaire n'explique qu'un nombre limité des occurrences du conditionnel et che c'est plutôt du côté de la modalité non veri fonctionnelle des dicto, autrement dit de la prise en charge énonciative par le locuteur, qu'il faudra chercher les dénominateurs communs de tous les emplois du conditionnel romain. Pour nous, la classification du futur du passé sera beaucoup plus restreinte et limitée à cette occurrence. Dans la latinité tardive, comme l'avait déjà remarqué Tillman, on trouve des fautements entre l'emploi de la tournure de l'infinitif
avec, avere, et l'ainsi nommé conjugaison périphrastique, c'est-à-dire l'option opposée par l'adjectif verbal an turus avec le verbe sum, du type facturus sum, dicturus sum, etc. Du point de vue temporel, ces flottements mettent en parallèle les emplois des verbes plus infinitifs, assez des S, S verbe, dans la périphrase avec le participe an turus. Notamment les présentes dans les déternures, tournures pour exprimer le futur, l'imparfait du parfait, pour exprimer le futur du passé. Les flottements des déternures dans le contexte exprimant les fonctions du conditionnel se retrouvent dans un même ouvrage d'époque chrétienne, ce sont les exemples 3A et 3B. Mais déjà chez les auteurs classiques, les locutions composées par l'adjectif verbal en turus s'accompagnant de l'imparfait ou du parfait de l'indicatif du verbe esse, de sum, avaient déjà fait leur apparition dans les contextes qui développeront les conditionnels romains. Ainsi, l'imparfait du verbe esse, dans les exemples 4a, 4b, 4c. Et encore au parfait du verbe s dans les exemples de 4e, 4f, 4g, 4h. Quant à l'emploi du verbe du passé des s, la répartition entre l'imparfait et le parfait semble à peu près égale. Chez Titelil, dans la podose des occurrences du parfait et de la parfait DS se distribue à peu près indifféremment. De même, dans les subordonnées subjonctifs, on trouve le parfait fuerim et l'imparfait essem, comme le montre les exemples 5A et 5B. Plural est apparemment plus tardif, pas avant un peu comme Stein, c'est l'emploi du plus que parfait qui indique toujours un irréel, c'est l'exemple 6a. Ainsi, le plus que parfait dans le subordonné au subjonctif, comme le montre l'exemple 6b. Dans ce contexte, à la différence du français qui fait recours au conditionnel simple ou à l'imparfait de l'indicatif, l'italien moderne emploie le conditionnel composé. Ainsi, par exemple, dans l'exemple 4A, se avesse taciuto, avrei potuto raccontare io più dettagliatamente. C'est la traduction du passage di Plotte. C'est l'exemple, oui, chez Plotte, l'exemple de 4A. Et dans 4B, par exemple, c'est l'exemple de Sénèque, la Terre a prodotto tutto ciò che ci sarebbe stato utile. Il faut employer le conditionnel du passé. Mais de son côté, l'italien ancien nous témoigne que l'état le plus fréquent était celui du conditionnel simple, comme en français de nos jours, ce sont l'exemple de 7A, 7B. Dans ces énoncés, le conditionnel est toujours non véridique. Il n'exprime pas une vraie valeur temporelle, mais plutôt l'idée d'une réalisation virtuelle signalant une relation de postériorité par rapport à la prédication de la principale qui est au passé. Le passage au conditionnel passé en italien actuel moderne, rappresente une anomalie une anomalie par rapport aux autres langues romanes résultant d'un changement diachronique. À notre avis, il faudra focaliser la situation du latin et de vérifier comment cette langue exprime la nuance d'une postériorité virtuelle non déictique par rapport au passé. C'est pas par hasard si en latin cette valeur est confiée à la conjugaison périphrastique réalisée par l'adjectif verbal turus, qu'on vient de rappeler, dont la valeur est virtuelle, non déictique et à l'imparfait, ou parfait du verbe es. Donc, dicturus eram ou dicturus fui.
L'indice important vient de l'emploi de la tournure de cet adjectif verbal et l'imparfait indicatif des dans les styles épistolaires qui représentent l'emploi relatif du temps par rapport au passé. C'est l'exemple 8 chez maître Cicéron, à son frère. Un texte qui, pour le destinataire, devra s'interpréter de cette façon. J'ai écrivi le 12 février avant qu'il fasse jour. Ce jour-là, j'ai dînerai chez Pomponius. Ce conditionnel est toujours concurrencé par l'imparfait de l'indicatif. Ce jour-là, j'ai dîné chez Pomponius. Alors, des rapports entre le subjonctif imparfait, le conditionnel dans des propositions subordonnées. Le temps imparfait joue un rôle temporel aussi au mode subjonctif. En général, ce temps constitue la marque d'un affaiblissement de la probabilité qu'a l'hypothèse de se réaliser. On pourrait dire qu'en italien ancien, le subjonctif imparfait n'a pas encore été totalement remplacé par le conditionnel, comme le prouve un passage 9a de Brunetto Latini, le maître de rhétorique de Dante, où, à la place du subjonctif imparfait potesse, l'italien moderne requiert le subjonctif présent possa ou le conditionnel simple potrebbe. Exemple 9a. Cet emploi du subjonctif en italien ancien est confirmé par d'autres auteurs, et ce sont les exemples 9a, 9c, 9d. Dans tous ces passages, notre oreille moderne envisagerait plutôt un subjonctif présent, possa, debba, ou un conditionnel simple, en dépendance d'un temps principal, potrebbe, dovrebbe, par exemple en 9b et c, ou un conditionnel du passé, en dépendance d'un temps historique, avrebbe fatto morire, exemple 9d. En effet, le conditionnel a une valeur temporelle anaphorique par rapport au moment des références placées dans le passé. Les subjonctifs imparfaits et les conditionnels sont en concurrence, ce qui aboutit à l'exclusion de l'un au profit de l'autre, tantôt en diachronie, tantôt en synchronie. Dans les expressions de souhait, en italien standard, les conditionnels et les subjonctifs peuvent alterner à la première personne dans des tournures différentes. Vorrei vincere, magari vincessi. Alors que à la troisième personne ou à l'impersonnel, le subjonctif s'impose. Volesse cielo che vincessi. Ainsi, dans les dialectes de l'Italie du Sud, l'imparfait du subjonctif se retrouve à la première personne en concurrence avec le conditionnel i volisse e vorria pour exprimer les souhaits. La situation d'évolution diachronique du français prouve que cette langue a franchi l'étape ultérieure par rapport à l'italien vers le remplacement du subjonctif par le conditionnel. Là où l'italien gardait encore le subjonctif, ce sont les exemples 10a, b, c. Et aussi les concessives hypothétiques, exemple 11a, quand'anche, quand même il le voudrait. 11b, quand'anche lo sapessi, quand bien même je le saurais. Ces propositions se construisent en français avec le conditionnel dans la subordonnée et en italien avec le subjonctif, imparfait. Le sens que le connecteur quand même, quand bien même apporte à la corrélation hypothétique est équivalent à celui de la tournure française avoir beau ou de la tournure latine licet plus le subjonctif. Rarement, le conditionnel peut apparaître dans des contextes analogues en italien moderne. C'est l'exemple 12a et 12b. Quelques cas très rares par ailleurs d'emploi du conditionnel dans la protège d'un système hypothétique sont attestés en Italie du Sud ou même à Sienne. Exemple 13a et 13b. En italien ancien, on registre aussi des occurrences du conditionnel dans des contextes modalisés par les dubitatifs, exprimant un bas degré d'engagement à la factualité, tel que le passage 13c. Questo che vuol dire? Sarebbe il medico tornato. En général, l'italien actuel a abandonné ce parcours qui s'est accompli en français et il a gardé en concurrence le mode subjonctif, che il medico sia tornato ou le futur indicatif, sarà tornato il medico. Cet emploi correspond au conditionnel dubitatif du français actuel. Exemple 13d.
Qu'en pensez-vous? Serait-il au bureau? Qu'en italien, on pourrait rendre aussi bien par le présent subjonctif que c'est un ufficio, ou par le futur indicatif sarà un ufficio, avec une différence nuance dans l'engagement à la factualité, plus faible dans le subjonctif, plus importante avec le futur indicatif. Toutefois, si le français est plus avancé que l'italien dans l'extension du mode conditionnel, l'italien moderne exprimerait par l'emploi du conditionnel du passé une nuance temporelle et ou aspectuelle que le français n'a pas développée, puisqu'il généralise les conditionnels simples pour l'expression du futur du passé, comme vous le voyez dans l'exemple 14. De son côté, le français a, lui aussi, la forme composée lorsqu'il s'agit de souligner la notion aspectuelle d'accompli par rapport à un moment de référence contextuellement déterminé. Serait-il rentré à midi, exemple 15A, et dans un contexte dubitatif au passé, exemple 15B, aurait-il conçu des soupçons sur mes assiduités? Or, selon les parcours de grammaticalisation envisagés par Elisabeth Traut pour les connecteurs, le développement va normalement du temporel au modal. Ceci n'est pas valable pour les modes. Certains linguistes pensent que l'essence modale du conditionnel serait donc une filiation de son sens temporel. D'autres plaident pour un parcours inverse. Mais on pourrait aussi penser à deux fonctions séparées, la modale et la temporelle, développer cette dernière surtout en italien moderne, unies par un élément commun, la virtualité de la phrase, autrement dit sa non-assertivité. Pour cette raison, une fine linguiste comme Franca Brambilla Geno ne considère pas les conditionnels du passé comme un véritable futur du passé. Selon cet auteur, l'indipendenza di un passato o un condizionale composto indica un'azione che in un momento del passato appariva come fuori della realtà e dal punto di vista di chi parla o scrive è rimasta eventuale. Se sì, è aussi notre avis. La modalità virtuelle de dicto serait donc la propriété la plus intrinsèque au conditionnel, une propriété présente dès son origine. La périphrase latine avec l'adjectif verbal anturus eram, qui exprime en latin le futur du passé, laisserait ouverte aussi l'hypothèse d'un parcours du temporel au modal. Mais c'est important de signaler que cette tournure n'est jamais déictique, et cela est en accord avec notre hypothèse modale de la non-assertivité comme caractéristique principale du conditionnel romain. À partir de la formation morphologique issue d'un temps du passé, infinitif, plus imparfait ou parfait, Mario Squartini a formulé l'hypothèse que le conditionnel simple de l'ancien italien garderait la marque temporelle du passé et que, en diachronie, ce serait précisément la perte de ces traits à déterminer la substitution obligatoire de la forme simple par la forme composée en fonction du futur du passé. Or, l'analyse de Mario Squartini est l'une des plus fines et convaincantes pour le conditionnel. Toutefois, sur ce point, nous sommes en désaccord, du moins partiel. En général, la morphologie ne devrait pas justifier tous les emplois fonctionnels. En outre, le conditionnel de l'origine pouvait-il vraiment véhiculer une marque du passé? Les contextes latins qui admettent une traduction par le conditionnel ne sont pas temporalisés. Le latin connaît des emplois modaux de l'imparfait et du parfait latin que l'on traduit par le conditionnel et qui ne sont pas du tout déictiques, tout comme n'est pas déictique, nous le disions, la tournure turus eram. Difficile alors d'attribuer la marque du passé au conditionnel de l'ancien italien comme héritage de la morphologie issue du latin. Parce que le latin, dans le cas où on peut le traduire par un conditionnel, n'était jamais déictique. Je laisse la parole si on a encore quelques minutes. Pour terminer. Sur la modalité épistémique et puis... La modalité épistémique. Le latin, par l'emploi du mode subjonctif, pouvait exprimer la valeur optative et la valeur potentielle. Le conditionnel exprime essentiellement ces deux valeurs du subjonctif latin. Du côté déclaratif, la négation non, le potentiel et le divers. Du côté de la volition, la négation.
pour le désidératif. L'élément commun aux deux, c'est qu'il s'agit toujours de contextes non assertifs. La potentialité ne se traduit pas dans l'acte, le désir demeure inefficace, dans le passé s'échange en regret. Dans ce sens, on dira que le mode conditionnel de dicto s'oppose à l'indicatif de règle. Dans le contexte potentiel, le conditionnel exprime donc une graduation de la modalité épistémique, notamment l'épistémique subjective, c'est-à-dire la possibilité unilatérale, qui n'est pas bloquée vers la nécessité. Les langues romanes, telles que l'italien et le français, gardent aussi le subjonctif dans les deux emplois, potentiel et désidératif, mais elles ont recours aussi à des verbes modo, pouvoir, vouloir. En italien, le verbe modal potere s'emploie au mode subjonctif pour esprimer l'optatif dans un contexte exclamatif potessi giocare con te, e au mode conditionnel pour exprimer la valeur radicale potentielle nel contexte declaratif o interrogatif. Potrei giocare con te o bien, potrei giocare con te. Le verbe modal volere, che esprime la volere in italiano, che esprime la modalità volomaic, s'emploie al conditionnel pour l'optatif della première personne dans une exclamative, come vorrei giocare con te, ma au subjonctif all'impersonnel, voleste il cielo che io giocassi con te. Donc, les personnes jouent un rôle très important dans la relation entre les conditionnels et les subjonctifs. En latin, le choix entre deux modes, c'est-à-dire le subjonctif et l'indicatif, est souvent à même à lui seul à exprimer une modalité. Mais dans certains types d'énoncés, le latin dispose d'emploi modo de l'indicatif. Donc, la ressource dont dispose le latin, c'est l'indicatif, qui sont parfois nommés, comme viene rappelé, d'une manière incorrecte, i falsi condizionali, qui est une dénomination tout à fait qui n'a aucun sens, en fait, parce que. Ils ne sont pas faux, ce sont de vrais conditionnels. Ce sont de vrais conditionnels du point de vue de la langue romane, pas du point de vue de la langue latine. C'est ça la différence. Donc, ce sont les tournures bien connues, telles que longum est, difficile est, ou est, fuit, fuera, che con lui sarebbe lungo, sarebbe difficile, sarebbe stato difficile, sarebbe stato lungo, eccetera. Faut couper. Donc, c'est que je vais résumer parce que je pense que s'il reste 5 minutes, je peux illustrer quelque chose. Oui, exactement. Je te laisse la parole. Mais il y a vraiment de quoi présenter une autre communication. Mais il me semblait intéressant de vous montrer un aspect à un niveau supérieur au niveau de la modalité épistémique. Au niveau pragmatique, au niveau illocutoire. Et donc, au niveau illocutoire, les conditionnels et les emplois en latin qui peuvent être traduits par un conditionnel réalisent des effets de sens très, très attrayants, disons. D'un côté, la notion de politesse, la mitigation, en latin, donc, surtout avec l'obligation figé de la première personne, à la première personne du parfait subjonctif. Mais regardez, c'est encore un parfait qui n'est pas du tout déictique, pas temporel, tout comme l'indicatif parfait des emplois modaux. On peut réaliser une affirmation atténuée, c'est l'exemple 36, « Ni ego contu le rima, je ne pourrais préférer rien ». Cet emploi est aussi fréquent dans les langues romanes pour mitiger la force de l'acte de langage, notamment s'il s'agit d'une assertion « je dirais » latin d'exerim, « j'oserais dire » dicere ausim, « je ne saurais nier » aud negaverim, « direi, non saprei » ou l'expression d'une volonté autrement trop pressante, « je voudrais bien ».
En italien ancien, on trouve, comme en français bien, volentieri. Je vorrei volentieri, bien, ben vorrei. Exemple 37A et 37B. Souvent, la négation facilite la mitigation. Io non vorrei, exemple 38. Très souvent, l'imparfait de l'indicatif peut alterner avec le conditionnel, avec le même effet de mitigation. Volevo chiederti, volevo sapere, par rapport à un présent d'énonciation. En latin, chez les comiques, on employait déjà l'imparfait indicatif pour atténuer. Et ce sont les exemples 39A, B et C. Il est vrai que cet imparfait ne renvoie pas en temps du passé, mais qui signale une situation toujours valable au moment de l'énonciation et pourrait alterner d'un point de vue strictement temporel avec un présent. Mais le présent, sémantiquement plus péremptoire et assertif, ferait cesser l'effet pragmatique d'atténuation. Dans les langues romanes, le conditionnel du verbe pouvoir permet de formuler une requête atténuée. La gente che nei sepolcri giace potrebbe si vedere, c'est l'exemple 40. En italien, on peut aussi riposter avec gentillesse en affirmant une vérité de re qui est en contraste avec les croyances d'autrui, et donc essayant de la présenter par politesse comme si cette factualité était moins factuelle ou peu signifiante. Exemple 41. Veramente, io avrei già pranzato. Parfois, la politesse est du tout fictive et rhétorique, et bien qu'atténuée par sa forme, l'injonction indirecte reste « dis-le-moi ». Donc, elle est combinatoire. Elle implique en effet l'obligation forte « tu dois me le dire ». Exemple 42. Un mot sur les conditionnels et l'évidentialité. En ce qui concerne, au niveau illocutoire, la dissociation énonciative. Les conditionnels romans, tout comme le subjonctif latin, est aussi le mode de l'évidentialité indirecte, quand la source de ce qui est présenté ne coïncide pas avec le locuteur. Il s'agit ainsi d'un évidentiel d'emprunt que l'on pourrait paraphraser par « d'après ce qu'on dit, d'après ce que d'autres disent ». Et on pourrait dire, en citant Barbé, que dans ce cas, l'évidentialité est considérée comme un hyperonyme de la modalité épistémique, incluant et l'indication de la source de l'information et l'attitude du locuteur vis-à-vis de cette information. Ce conditionnel a été étiqueté de manière différente, d'emploi reportif, conditionnel de la rumeur, de l'information incertaine, conditionnel épistémique d'emprunt, conditionnel épistémique d'attribution, dans un travail en italien de Kroening. Puisque souvent il existe un contraste entre une opinion attribuée à autrui et celle du locuteur, avec parfois des effets pragmatiques liés à l'ironie, nous avons choisi de classer ces emplois de dissociation énonciative au niveau locutoire, discursif, pragmatique, plutôt que simplement sémantique. Par exemple, un texte comme 43, Philosophie queruntur, quod eos insimulemus, les philosophes se plaignent que nous les accuserions de dire toute chose incertaine, permet d'entendre à la fois la parole des philosophes et les jugements du locuteur Cicéron sur la non-acceptabilité de leurs plaintes, ce que les langues romanes, l'italien et le français, confient au mode conditionnel. Nous les accuserions. Le latin l'exprime et par le subjonctif insimulemus et ici par l'anaphorique eos qui signale la dissociation énonciative du locuteur-auteur. Parfois, avec une nuance d'ironie contrastive qui joue sur l'opposition entre une factualité rejetée par la doxa et donc avouée quasi timidement et d'une manière, pour ainsi dire, moins factuelle, c'est l'exemple 44, io sarei il defunto marito della signora. Le protagoniste, Mattia Pascal, est bien vivant sur scène, donc des re, alors que tous les autres le considèrent comme mort, il defunto marito, la doxa. Dans cet emploi, outre l'ironie paradoxale issue d'un fait qu'un vivant a certes de posséder le statut de fait mari, on reconnaît aussi la dissociation de l'opinion d'autrui que le latin réalisé par les subjonctifs. Une dissociation énonciative est aussi à la source de l'emploi du conditionnel pour exprimer une protestation contre une assertion d'autrui. Exemple 45.
Dove se le potestà? Sarei io si fuori della memoria? E je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions beaucoup. Surtout Irene. Grazie Irene. Nous vous remercions pour cette très riche relation avec beaucoup de matériaux et avec cette très intéressante recherche sur la formation du conditionnel à partir de passer certif de passer certif en latin. C'est une demande certif en latin que c'est une chose vraiment intéressante pour moi surtout et que vous possédez ce moment de passage de la tentative au langue romane, à l'italienne. Surtout. Bien, s'il y a, j'espère qu'il y a des questions, je vous invite à poser des questions, des observations, des remarques à des amis. Merci beaucoup. Juste une question justement sur le quasiment dernier exemple, l'exemple 43, où j'ai compris que la valeur donnée à une cible égousse, c'est la traduction. Ah, l'exemple de la table. Oui, l'exemple. Oui. Que cette valeur vient du fait, enfin, on est sûr que c'est cette valeur-là, par le fait que l'on n'a pas le réfléchi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va avec, disons. À l'emploi de subjonctif et surtout. Parce que là, c'est discriminant. Oui, c'est très discriminant. On s'attendait à un réfléchi là, et mais si. Voilà, et justement. Le... Est-ce que. Il y a des. Pardon. Alessandra Bertop, qui travaillait tout à l'heure. Un exemple contrastif avec. Avec ça. Oui, je crois que dans les travaux d'Alessandra Bertop qui s'ouvrent des réfléchis, il y a sûrement ça. Non. Oui. Bon, et c'est, je le dois à elle, cet exemple-là. Oui, je pense que c'est un exemple forcément très intéressant. Très intéressant, surtout pour EOS. Oui. Merci. Merci à toi. Una domanda, è veramente una domanda, ma una richiesta di approfondimenti. Se avete lavorato sulla lingua dei volgarizzamenti, la lingua dei volgarizzamenti, i due trecenteschi, dall'italiano, dal francese. Ecco. Grazie, sì, grazie per l'indicazione. Mi interesserebbe molto, vista la ricchezza. Sì, è un lavoro che nasce dal latino, no? Dice sì, avete lavorato, non abbiamo lavorato in particolare. È un lavoro che nasce dal latino e abbiamo cercato di vedere un po' come, e per quanto riguarda l'italiano antico, soprattutto su Dante. Mm-hmm. E sui lavori d'Ampron, diciamo, i due grandi lavori sul condizionale di Franca Granvillaggio. Certo, visto che per Boccaccio sì. Sta emergendo anche l'importanza non soltanto delle fonti latine dirette, ma anche di certi volgarizzamenti, anche se Boccaccio naturalmente conosceva e trattava il latino direttamente, ma probabilmente si rifà anche dei volgarizzamenti. Grazie, sì, ma sicuramente. Grazie, veramente. Qui c'è ancora da lavorare per tre lavori. Vieni qua. Ciao, l'esempio di A. Nous sommes sûrs qu'il faut avoir le verbe pourrait. Est-ce qu'il y a une nuance de modalité dans de A ou non? Et toi, Paul? Est-ce qu'il y a. Anche in italiano. Il faut le mettre pourrait, sans doute. Mm. Il y a une nuance de modalité dans de A. Mm-hmm. Ah, si, certo. Oui. C'est ancora, sì, c'è. Sì. Alors, ça veut dire qu'il est différent de C. Si, parce que je me demandais si peut-être de A peut être exactement comme en italien, peut-être pas bon italien, Dio ti guariva. Ah, l'imparfait neutralise tout. À chaque fois, tu peux bien. L'imparfait neutralise tout.
Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas traduire par qui doveva. Parce que si on mettait les devoirs, on implique qu'il ne l'a pas fait. On va vers l'irréel. Et si on laisse poteva, on laisse la possibilité ouverte. Mais l'imparfait neutralise et enlève aussi les besoins de maître modal. Mais dans votre interprétation, il y a une nuance de modalité dans de A oui. Et pas dans de C. Pourquoi pas? Non, partout il y a une nuance. Ah, oui, yeah. Tu vois, on les rentre. Oui. Ok, ok. Non, mais... Il y a une différence d'emploi peut-être qu'on n'a pas mise en valeur. C'est-à-dire, dans des A, c'est une possibilité ouverte. Mm. Dieu pourrait te guérir par son indulgence si tu... Detto in italiano sarebbe Dio potrebbe guarirti se tu ti confessassi. Allora, tu hai la possibilità di confessarti e Dio ti guarisce se tu ti confessi. Nell'altro, invece, cioè, mi esprimo in italiano, possibilità per me, capiamo di bene. Credo che anche i francesi capiscano bene. No, il francese è così povero e scorretto, per cui... Ecco, nell'altro, e questa è la differenza forse che non era emersa, che il più che perfetto, Abueram, esprime invece un fatto, un irreale. Cioè, se Dio non mi avesse avvisato con una visione notturna, io avrei commesso una colpa contro di te. Ma lui mi ha avvisato, dunque... È un fatto che non si è verificato. Questa è la differenza. Cioè, effettivamente, ecco, quello che abbiamo notato, e poi c'è un punto, insomma, il discorso si allungherebbe troppo e lo chiudo, tra l'imperfetto copre veramente un ampio spettro. Questo okay, lo si vede in quello ecco, che tu dicevi in italiano informale, no? Quando uno dice se potevo anziché se potessi. Mentre in francese credo che sia la regola dire si je pouvais. Ce n'est pas un irréel. À l'imparfait, il va plus vers l'irréel, oui, si je pouvais. Oui. Mais dans les titres de notre poteras, on sait bien qu'il ne restera pas dormir ici. Donc on laisse une nuance de possibilité, mais on est vraiment vers... tu pouvais dormir avec moi sur un lit de feuillage, non? Mais c'est bien que Meribé s'en va. Donc, poteras véhicule déjà l'irréel, peut-être. Ah, parfait, non? Et sur le visage, je peux seulement dire que les sermons, c'est un problème d'adaptation. Ils sont des matériaux qui sont partout dans des divers âges. Alors, le problème, c'est de comprendre quel est l'âge. Oui, aussi. Dans le nom de Augustin, il y a beaucoup de choses. Ici, c'est le latin tardif. Le latin tardif au Moyen-Âge tardif. Alors, il faudrait voir. Qu'est-ce qu'on dit avec ce serment? Et en effet, tu penses. Ce sont des matériaux très différents. Dans la version serment et de Augustin, il y a beaucoup de choses très différentes qui vont de la l'antiquité tardive jusqu'au Moyen-Âge tardif. Ah ben, je prends ensuite. Il faut contrôler ce serment, à quel âge est, parce qu'il n'y a pas de. Il n'est pas sûr, bien sûr, à quel âge on peut
Non nella perifrasa per capire. Sì, là no, tutto longe da latini teui. Mutazioni storiche. Grazie. Grazie, sì. Importante. Certo. Che scusami. Un petit café? L'unica cosa è che sono collegati. Ah no, sono tutti collegati, ma no, facciamo senza. Facciamo presto. Meglio... Sicuro, sì, ma sono collegati. Ma loro restano collegati. Diventa più lunga. 10 minuti di pausa per dare possibilità. Magari avverta, perché appunto alcuni mi hanno detto sono collegati. Ma io sì, sì. Siete proprio, c'è proprio questa necessità estrema? Chiediamo penso al pubblico. Che una no. Piccola pausa. Avete bisogno di una piccola pausa o finiamo prima? Sì. Domanda, ma semplicemente un augurio che esprimo con il condizionale ed è che io mi augurerei che contributi di questo genere entrassero finalmente anche nelle grammatiche scolastiche, sia di italiano che di latino, perché ci sono una serie di false cose, i falsi parisillabi, i falsi imparisillabi, i falsi condizionali. I ragazzi già sono un po' disturbati dal latino e dall'italiano, la grammatica, e poi si dice loro le cose sono così, ma non, in realtà non sono così, e quindi sono completamente diversi per questa cosa. Purtroppo ho un'esperienza totalmente negativa da questo punto di vista, perché io sto preparando una grammatica scolastica per la LESSER. Ah, bene, grazie. Da anni, e ho ottenuto tutte queste cose. Quando ho abrogato parisillabi e imparisillabi, c'è stato un nuovo lezione. Il lettore mi è saltato addosso. Certo, immagino. Non solo mi è saltato addosso, ma hanno fatto leggere quel capitolo a un gruppo di professori di latino di mezza Italia, e a parte qualche illuminato che ha detto finalmente la smettiamo con i parisillabi e gli imparisillabi, la maggioranza ha detto noi non ci troviamo. Quindi adesso questa grammatica, che aveva una dimensione un po' storica e soprattutto di esame, diciamo in qualche modo reale dei fenomeni linguistici, e che nella sintassi aveva qualche leggera sfumatura di grammatica generativa e balenziale, ce la stanno distruggendo. Sì, c'è anche questo aspetto, dal lato docenti. Ci ho provato, ma non ci sto riuscendo. Le farò pubblicità allora. Non ne ha bisogno naturalmente. Grazie. Non a finire, cosa mi fanno pubblicare. Grazie. Cosa facciamo allora? Restiamo? Non so, abbiamo un professore. È un grosso problema perché sono collegati. Sì, allora una pausa di 10 minuti. L'unica cosa che diciamo, ci vediamo, alcuni mi avevano detto che si sarebbero collegati. Sono tutti lì. Solo ecco, avverta che meno un quarto. Loro ci stanno ascoltando, quindi semplicemente i lavori riprendono tra 10 minuti. 10 minuti. Ora si registrerà la conferenza. Allora, dunque, Paolo sta arrivando, sì. Paolo è sempre in ritardo, quindi possiamo cominciare. Allora, mi scuserete se adesso passo all'italiano, ma il mio francese non è sufficiente per un lungo discorso, un lunghissimo discorso, e quindi parlerò in italiano. E dato che è un piacere che molti dei presenti c'erano a Bolano, che è stato diciamo in qualche modo il punto di partenza di questi studi che sono offerti appunto a Norlandini, con tutto l'affetto nostro di tutti quanti noi che abbiamo partecipato a quelle belle giornate di Bolano, e che sono stati appunto poi pubblicati grazie anche appunto a Paolo Boccetti, che non c'è, lo ringraziamo in assenza,
sono stati pubblicati appunto in questi due volumi di Linguarum Varietas, due bei volumi, veramente due bei volumi, anche da un punto di vista, diciamo, tipografico, con la cura che c'è sempre nei volumi stampati appunto da Serra, da Fabrizio Serra. E è una miscellanea, diciamo, che è omogenea, questa raccolta di studi è omogenea da un punto di vista del generale, come centro, come dire, sulla linguistica latina nelle sue varie declinazioni, e questo, diciamo, in qualche modo anche è molto affine al profilo scientifico di Anna, che ha declinato il suo interesse linguistico in varie modalità. E naturalmente, quando si presenta una raccolta di studi come questa, c'è sempre un po' di difficoltà, perché i contributi sono vari, la varietà non è solo delle lingue, ma anche dei contributi, quindi chi la presenta cerca sempre di trovare in qualche modo un qualche filo conduttore, o più fili conduttori, come in questo caso. Io quindi ho suddiviso, come dire, in alcune tipologie di interventi. Ecco, no, avevo ringraziato prima per la pubblicazione appunto nella rivista che tu dividi di questi studi. Dicevo, ho cercato di suddividere in qualche modo alcune tipologie questi studi, e cercherò di dare un'idea un po' di tutto, ma su qualcosa forse mi soffermo un pochino di più, anche sulla base di quella che un po' sono le mie inclinazioni. Io sono più un filologo che un linguista, quindi da questo punto di vista sono interessato, come dire, all'aspetto certamente linguistico, ma anche a quello filologico. E quindi una prima categoria, diciamo, generale che ho individuato sono due contributi che sono dedicati a un focus piuttosto marcato su autori latini. Il primo è quello di Daniela Bonnicini e Alfredo Ghiselli sull'imperativo futuro in Catullo. Io, tra l'altro, a Volano fu Mariella che ci fece la relazione, perché naturalmente Ghiselli era molto anziano, e purtroppo mi ricordo che scomparve esattamente mentre stavamo a Volano la mattina del 17, mi pare di ricordare, se non ricordo male, settembre, ci arrivò questa notizia, come dire, della scomparsa di Ghiselli, che aveva un'età ragguardevole, ma naturalmente sempre si lascia un vuoto, quale sia l'età, diciamo, in cui si scompare. Ecco, io su questo contributo, in cui si sono, diciamo, vengono esaminate le occorrenze, come dire, che non sono molte, dell'imperativo in Catullo, che viene giustamente spiegato con la natura ormai fossile un po' di questa forma, che appunto spinge, come si dice nel lavoro, a usarla soltanto in contesti eccezionali. Ecco, io mi permetto di aggiungere due cose appunto su questi contesti eccezionali che sono stati identificati in questo lavoro, perché sono quasi tutti in contesti di agitazione e di eccitazione, sono sempre legati a un contesto di questo genere, perché ce ne sono due, sono carmi di contenuto erotico sceno, che è il Carmi 15, Aurelio di Abbancaccio di Ragazzini, e il famoso 32 Ipsitilla, che quindi sono molto caratterizzati anche da questo punto di vista. Poi anche una certa concitazione c'è nel 103, che è la richiesta di restituzione di un debito a Sidone. E poi anche l'altro famosissimo Carmi 50 a Calvo, in cui Catullo rievoca la sua agitazione in qualche modo dopo questa seduta poetica comune in cui c'erano scambiati dei versi. Ecco, questo mi sembrava un pochino, l'unico che sembra un po' fuori da questo punto di vista è il saluto di Egeo a Teseo in partenza per Creta, e qui, diciamo, c'è più un tono elevato in qualche modo, però gli altri sono abbastanza caratteristici da questo punto di vista, quindi mi sembrava appunto interessante questo elemento. L'altro contributo che ha, diciamo, un centro su un autore latino è quello di Masanna Cappelletti su Virgilio e Didone, e con la caratterizzazione semantica di Enea, che è tutto quanto
giocato, come dire, sulle varie parole che definiscono Enea, che sono anche in qualche modo delle parole ben notate, che mostrano anche in qualche modo una discesa, come dire, della figura di Enea, anche in relazione alle vicende appunto che ci sono, degli amori con Didone, eccetera, cioè, da Ospes, poi con epiteti che diventano sempre più nel rapporto appunto dell'episodio, del grande episodio di Didone, che hanno delle caratterizzazioni sempre più negative, osti, sfira, abna, caput, e con aggettivi appunto che denotano anche questo elemento negativo, come perfido, simplus, impius, nefandus, infandus, quindi c'è questa caratterizzazione in qualche modo. E la cosa che è molto interessante è che l'atteggiamento ostile che poi ha Didone nei confronti di Enea viene anche rimarcato da elementi gestuali, e da questo punto di vista, questo appunto, tra l'altro, del tutto proprio casualmente, proprio ieri a Verona, in questo convegno sulla pragmatica della comunicazione, c'è stato un intervento di Cristina Ricottilli molto interessante sulla gestualità di turno, che appunto è stata segnalata da Ricottilli appunto in relazione anche alla modalità con cui Virgilio ha costruito il personaggio Turno, che è un personaggio che ha delle sfaccettature molto, molto complesse. Ecco, qui questo discorso della gestualità, legato appunto anche alla pragmatica della comunicazione, mi sembra un elemento di grande interesse, perché è un elemento che contribuisce, è una chiave d'accesso alla identificazione e alla definizione delle modalità di poetiche da parte appunto di, nei vari testi in cui è citata, e in Virgilio, che tra l'altro in questo momento molte, c'è una, proprio un gruppo di miei colleghi veronesi che sta lavorando proprio su questo, in Virgilio l'elemento della gestualità è sicuramente molto fecondo e può dare molti aiuti, ausili appunto alla definizione delle modalità poetiche di Virgilio. Poi c'è tutto un blocco, diciamo così, di contributi che definirei in maniera estremamente imprecisa ed estremamente generica, tutte le generalizzazioni sono chiaramente pericolose, ma come dire, più di questioni teoriche sulle funzionalità del linguaggio latino, e quindi ce ne sono vari, come primo quello di Bernardo Torussi e di Gnas Naider, la genericità nominale del latino, in cui appunto si cerca di esaminare le modalità con cui il latino esprime la genericità nominale, che tra l'altro è fortemente condizionata questo elemento dal fatto che nel latino non c'è l'articolo, che è uno strumento ovviamente che le lingue che hanno l'articolo invece possono usare per marcare appunto la genericità. Il corpus che viene esaminato in questo articolo è un po' il corpus di testi giuridici e gnomici, e quelli gnomici sono anche due testi che hanno una certa differenza sia di datazione che di impostazione, perché sono le sentenze di Publio Ciro e la traduzione geronimiana dell'Antico Testamento, e lì poi naturalmente questo emerge molto bene nell'analisi che viene fatta di questi esempi, c'è tutto poi il problema del rapporto con l'originale ebraico, la traduzione della Vulgata appunto dall'ebraico risente fortemente di questo modello, e vengono esaminate una ricchezza di materiali, è un primo approccio, naturalmente ci potrebbero essere anche molti altri corpora che potrebbero essere da questo punto di vista, in relazione all'uso per esempio del singolare o plurale a fine appunto di marcatura della genericità, o dell'introduzione dei pronomi indefiniti che naturalmente il latino può usare ampiamente proprio per la mancanza appunto dell'articolo come elemento di marcatura della genericità. Un altro articolo da questo punto di vista che ha un approccio diciamo di questo genere è quello di Michel Fruit, il suffisso del diminutivo, che è una rassegna dei vari allomorfi che si generano per tutti e tre i generi a partire dai vari suffissi urus, curus, iculus, elus, eccetera, che sono, diciamo così, operativi già in epoca arcaica, quella della ricostruzione che fa Michel Fruit, e c'è un po', ecco, l'unica cosa su cui mi soffermo
è la discussione dell'EIFA del suffisso ulus, agnellus in particolare, perché diciamo si è ritenuto che questo suffisso ellus fosse un suffisso che si genera in epoca tarda, mentre invece Michel Fruy ne trova una testimonianza, mi segnava la testimonianza di Agnellus in un gruppo diverso della Sinaria verso il 666-668. Ecco, qui su questa, diciamo, questo diciamo che è sicuramente una testimonianza di questo diminutivo da Agnus, appunto Agnellus, c'è forse da fare anche poi approfondimento, perché il contesto plautino, abbiamo sempre, credo quando ci parla, si cerca di fare delle categorizzazioni del latino, degli usi del latino, bisogna sempre avere ben presente gli elementi cronologici, evidentemente, ma anche gli elementi di contesto, di genere letterario. In questo caso il passo plautino è un passo dove ci sono vari diminutivi ed è, diciamo così, un passo appunto cui l'accumulo di diminutivi è utilizzato a fini espressivi per generare tenerezza, per questo elemento, come dire, del passo plautino. E la cosa poi interessante, quindi, sarebbe, diciamo, in qualche modo da vedere, è che Agnellus scompare completamente nel lessico, cioè di fatto poi Agnellus non lo troviamo più. Perché dove lo troviamo? Lo troviamo nei grammatici, che sono testimonianze astratte, perché sono esempi che fanno i grammatici di questo diminutivo, ma non senza citare mai esempi, quindi diciamo in testi letterari non c'è più Agnellus, lo troviamo in Sergio, in Pompeo, in Cristiano, nello pseudo Sergio, e quindi sarebbe utile, diciamo così, approfondire questa presenza in Plauto di questo neologismo plautino. Se ne è occupata anche Eleanor Dickey nel Letter from a Bedress, parla anche di questo, e anche perché tra l'altro il passo plautino ha secondo me anche, e non solo secondo me, insomma come vari commentatori lo intendono, anche un effetto parodico, cioè questo elemento di alcuni diminutivi in un contesto che diciamo amoroso, vuol dire in qualche modo, e probabilmente anche un elemento parodico, che solo notava già Palmer addirittura nel Latin Language di Palmer, e quindi questi termini colloquiali in qualche modo sono utilizzati proprio a questo fine. Quindi questo è sicuramente un esempio interessante, come dire, io poi mi fermo sempre su queste cose qui di linguistica, come dire, un po' più storiche, che sono più nelle mie corde, diciamo, da un certo punto di vista, e che sicuramente è utile, come dire, per capire, come dire, certi meccanismi anche della utilizzazione di strutture linguistiche nel latino. Vado un po' veloce su alcune cose, perché poi diciamo, in questa categoria c'è anche un articolo di Federica Fumante per espressione di oralità e scrittura, che analizza sostanzialmente i termini che indicano parte del corpo umano in funzione di metalinguaggio, e quindi raccoglie tutte le espressioni latine ispirate alle parti del corpo, e c'è quindi un materiale da questo punto di vista interessante, sia per il versante, diciamo, dove questo uso di parti del corpo è usato per indicare degli elementi di oralità, disturbi del linguaggio, per esempio, silenzio, eccetera, mentre ci sono espressioni figurate legate invece alla scrittura, i casi classici sono chiaramente un po' di meno, ma sono capi, pugni, stabilità giugulare, manus. Poi ancora sempre in questo ambito abbiamo la natura di Chantal Kircher sulla struttura del lessico latino, che è, diciamo, dopo una prima parte introduttiva che, come dire, in qualche modo descrive il nucleo delle sue ricerche, appunto il tentativo anche di ritrovare attraverso i derivati ufficiali latini le universo de langue naturelle, appunto in modo da cercare di definire attraverso questo strumento, attraverso questa strada, le modalità di funzionamento delle funzioni cerebrali in ambito linguistico, quindi qualcosa che si rifà da quelle fondamentali di Jacobson ovviamente, ma che in qualche modo poi rimanda anche alla grammatica generativa, chomskiana, che non viene citato, ma comunque il riferimento mi viene in mente ovviamente questo, e appunto da questa impostazione metodologica parte l'esame delle varie forme di suffissazione latina,
appunto incrociando elementi di grammatica generativa con approccio cognitivo. E c'è appunto, diciamo, vengono, c'è una classificazione che è un punto di partenza molto interessante delle funzionalità dei vari suffissi, che corrispondono a tipologie diverse, antroponimi, teonimi, toponimi, fitonimi, eccetera. E quindi, diciamo, c'è poi chiaramente, come proprio nella metodologia che è esposta da Fischer all'inizio del suo lavoro, è sempre quello di capire se queste ripartizioni funzionali siano verificabili anche in altre lingue, sempre quindi nell'ottica in qualche modo di quella grammatica universale che è sempre sottesa a questo tipo di ricerche. E questo lo cito soltanto dal titolo Logosso Pronci, le costruzioni latine con essere del participio presente, che attestata nel latino arcaico, quasi scompare nel classico per poi divenire molto frequente nella vulgata. Qui sempre è un altro dei temi che a me interessa, lo cito soltanto, non mi soffermo, io anche faccio l'articolo mio, io non parlo evidentemente in questa raccolta di studi, è proprio legata a questo, al tentativo di vedere se ci sono, qual è il rapporto tra forme che compaiono nella latinità arcaica per poi scomparire in quella classica e riemergere in qualche modo in quella, diciamo, nel latino più tardo con quello cristiano, su cui c'è un dibattito enorme naturalmente, perché sul fatto del, diciamo, del detto latino carsico ci sono opinioni molto negative. Recentemente ho sentito Marco Mancini che diceva proprio che è un errore metodologico pensare che ci sia un latino carsico, però il fenomeno esiste, devo dire, in qualche modo, e comunque deve essere comunque esaminato. Quale sia poi questa situazione metodologica, questo è da vedere. Io mi limito, e questo è quello che hanno fatto anche questo articolo, a segnalare quali sono questi casi, poi quale sia il rapporto tra queste forme. Questo è un discorso chiaramente molto aperto, su cui non è facile fare delle conclusioni. Ancora sempre l'articolo di Muti sull'ordine delle parole in latino, e questo naturalmente l'ordo verborum latino è un problema naturalmente anche questo di grandissima ampiezza. L'obiettivo finale, l'obiettivo sostanziale che si pone in Muti è quello di non considerare il latino seccamente come una lingua soggetto-oggetto-verbo, che è un pochino quello che, diciamo così, nella grammatica, come dire, tradizionale viene un pochino identificato, ma ci sono anche, e anche è perplesso per la possibilità che il latino rappresenti uno stadio di transizione da soggetto-oggetto-verbo a soggetto-verbo-verbo-oggetto. Quindi anche qui, diciamo così, c'è tutta un'analisi del problema dell'ordo verborum. È un contributo problematico, meglio che un contributo problematico è quello di superare i bisogni rigidi dell'ordo verborum in latino. Io ricordo quando andavo a scuola, l'ordine che mi veniva insegnato, che l'ordine era molto rigido in latino. Ecco, non è così esattamente, questo, diciamo, questo contributo va in questa direzione di eliminare, di mettere in discussione una serie di rigidità. E infine, l'ultimo è questo, diciamo, di Anna Rosen, dalla connotazione alla connotazione, e qui, diciamo, è un lavoro che in sostanza mira a individuare il meccanismo di passaggio da una funzione connotativa a una connotativa attraverso due verbi che vengono presi in esame, cioè committere e admettere, sono i due verbi che vengono presi in considerazione. L'interesse di questo articolo sono le prospettive che apre, e soprattutto sul fatto della, diciamo così, quella che viene solo accennata ma poi non è trattata, della specializzazione di questi verbi nelle lingue romanze. Commettere in italiano, commettere, poi si specializza in una delle accezioni del verbo latino. Quindi da questo punto di vista e anche admettere si specializza, cioè la ricchezza semantica, i campi semantici di ammettere e committere è molto più ampia in latino. La specializzazione delle lingue romanze, io penso all'italiano in questo momento soprattutto, è, diciamo, molto molto diversa. Un secondo gruppo, diciamo così, è un po' difficilmente, come dire, inseribile in una categoria unica, ma insomma è un po' le dottrine antiche, diciamo così. È un gruppo, no, è un solo articolo in realtà, è quello di Calvo, di questo
cross, grande articolo da Rodi a Calahorra, che è un lunghissimo, lungo discorso storico sulla diffusione delle dottrine retoriche dalle scuole rodiesi alla manualistica degli anni impiegati. Questo è una questione, diciamo, è un tema antichissimo, ovviamente, che poi ha soprattutto il suo punto di vista principale, sono i due trattati di epoca repubblicana, che sono la retorica del regno e Cicerone, il De Invenzione di Cicerone, e che poi dopo sono, diciamo, in qualche modo i due elementi e i due testi, vuol dire, che maggiormente rappresentano l'arrivo delle dottrine retoriche greche nella cultura romana. Due testi probabilmente molto vicini da un punto di vista cronologico, anche se sulla retorica del regno c'è un dibattito lunghissimo sulla possibilità, chi è l'autore di questa retorica. Calvo, tra l'altro, ha fatto l'edizione della retorica del regno, due edizioni, anche con, diciamo, cambiamenti anche sostanziali. E insomma, l'articolo poi di Calvo è proprio legato al suo approccio, perché poi lega fortemente tutta quanta la vicenda della ricostruzione delle teorie, dell'arrivo, della diffusione delle teorie retoriche a Roma, con una visione storica, in qualche modo, e anche economica, diciamo così, di quello che era i legami fra Roma e il mondo greco che ha veicolato queste teorie. Rodi era un partner commerciale di primissima importanza per Roma, e questo è, questo elemento viene fortemente sottolineato da Calvoli. Poi naturalmente ci sarebbe il problema, ma qui lo dico soltanto, del problema enorme della datazione di quello che per noi la tecnica grammaticale di cui mi sottrace, che è un problema enorme, perché noi non sappiamo, dopo il famoso articolo, il lavoro di Benedetto, c'è questo dubbio molto forte che in realtà quello che noi abbiamo della tecnica retorica di Dioniso Tracia non sia precedente a Cicerone, ma sia una rielaborazione di epoca imperiale, quindi successiva a tutta quanta la manualistica retorica latina. Un altro articolo che, diciamo, in qualche modo non è incasellabile in nessuna delle categorie che ho cercato in qualche modo di individuare, è quello di Capdeville su Spina, che è una delle più interessanti, voglio dire, situazioni di ricostruzione archeologica, città che era nota in passato solo dalle fonti letterarie, che poi a partire dagli anni 20, con una serie di scoperte archeologiche, ha assunto dei contenuti molto più definiti con la scoperta della Piena Necropoli. E quindi c'è questa descrizione molto utile e molto ampia del complesso dei rilevamenti archeologici nelle due necropoli, la prima e la seconda, nell'abitato, con le sequenze in cui sono state fatte queste scoperte, collegate per quella che era la funzione commerciale delle videocomunicazioni utilizzate appunto da Spina. Cioè è un grande concentrato di tutte le problematiche di Spina, l'origine degli abitanti, le questioni linguistiche, che sono quel punto di arrivo a partire dalle iscrizioni, che purtroppo non sono ancora disponibili in un corpus completo, quelle, diciamo, la maggior parte sono di etrusche, ma viene, diciamo, qualcuno di quelle etrusche che sono il corpus maggiore, vengono identificate le tipologie, e si esamina soprattutto l'onomastica, che a suo parere mostra una certa mescolanza etnica. E anche questo, diciamo, è un articolo che ha una visione più ampia di quella solamente linguistica, perché si inserisce in un contesto molto più complesso, che è quello della ricostruzione di Spina, della sua, diciamo, di quello che sono evidenze archeologiche, delle testimonianze letterarie, quello che si riesce a ricostruire su questa importante città dell'Italia. Poi ci sono delle questioni, articoli che sono più legati a questioni lessicali, tralascio il mio evidentemente, e ecco, qualche riflessione su García Hernández, su Genu e Gena. García Hernández parte dalla constatazione che esistono parole di uguale radice che però indicano parti diverse del corpo a seguito di una modificazione di quella primaria, per esempio testa, testiculus. E il caso c'è quello di Geno, che è ginocchio, e Gena guancia, che condividono appunto la forma in qualche modo angolare. Geno viene collegato col verbo gnitor,
che sarebbe appunto collegato alla pratica di partorire in ginocchio per sostenere lo sforzo del parto. C'è tutta poi una serie di, diciamo così, di osservazioni che portano, come dire, grazie a Nante, si può utilizzare che esiste una forma genus, una asteriscata, che poi si è evoluto in gena, che è quella poi, diciamo, che appunto è la mascella, e la guancia, la mascella, appunto. E quindi ho ottenuto poi grazie a Nante, pensa anche che genus, originale di Gena, potesse essere lo stato intermedio verso genus, generis. Ecco, è una ricostruzione molto interessante di questa, diciamo, questa tipologia, e anche qui io vorrei aggiungere un piccolo elemento di approfondimento, e cioè questi due termini, almeno genu, era sotto l'occhio dei grammatici latini, perché c'era un problema piuttosto grosso di identificazione della declinazione a cui apparteneva e del genere, che sono tipici problemi dei grammatici latini, cioè una parola, sono parole latine che appartengono, che vengono, sono attestate in diverse declinazioni, le confusioni sono abbastanza ovvie, seconda e quarta si confondono, la terza si confonde spesso con altre declinazioni, e poi come di genere, perché su questo anche sto facendo fare dei lavori ai miei studenti, il genere latino, ci sono moltissime parole latine che hanno solo il genere incerto, tra maschile e femminile. Ora, siccome c'è un passo molto interessante di Pisciano proprio su questa fase molto morfologica, molto fluida di Geno, perché Geno ginocchio ovviamente, vengono date testimonianze di una fase arcaica diversa, come dire, da quel che poi Geno sarebbe anche uno di quei sostantivi della quarta che sostanzialmente ha una flessione unica, Geno. Mentre invece poi ci sono tutta una serie di genus secondo declinazione, viene declinato, viene con più forme di declinazione. Quindi questa fluidità di genu che Pisciano identifica in epoca arcaica, anche questo credo sia un elemento che vada inserito nel discorso sull'origine di questa parola di genu e anche del rapporto poi con Gena. Sì, diciamo che ancora 5-10 minuti sono io, 5 minuti che bastano a te. Lei non posso. Va bene. Una pagina. Altro articolo su cui anche mi soffermo un pochino di più è questo di Oniga, perché poi tocca un tema che abbiamo appena fatto un po' un discorso prima, cioè è un tema molto caro a Renato Oniga, che è quello della linguistica latina per il rinnovamento della didattica del latino. Cioè, in che modo si può utilizzare appunto la linguistica, le acquisizioni scientifiche della linguistica latina per rinnovare la didattica del latino. Lì c'è prima un'analisi dello stato dell'insegnamento del latino, che è un tema che ricorrente, ho più volte sentito Oniga parlare di questa cosa, e Oniga lamenta, e questo non posso che dargli ragione, per la scarsa attenzione alla linguistica nelle attuali grammatiche, cioè nel senso che non vengono utilizzate le acquisizioni della grammatica, della linguistica moderna, nelle grammatiche scolastiche, c'è scarsissima attenzione anche all'aspetto sincronico, anche nell'insegnamento universitario. Lui, sapete che Oniga è un grande studioso della grammatica generativa, la sua bella introduzione al latino, alla lingua latina, che è stata tradotta anche in inglese, è molto, diciamo, orientata da questo punto di vista. Oniga poi esamina tutti i vari strumenti metodologici, i vari approcci metodologici attuali per appunto quelli che sono, diciamo, l'ethno reale visto nel mondo anglosassone, il metodo natura, cioè tutte quante le varie metodologie che sono state proposte, e nota che appunto il punto focale di tutti questi metodi è l'abbandono della dimensione letteraria, che viene, come dire, viene svantaggiata rispetto alla cultura materiale o anche come metodo natura accantonata per l'uso dei testi artificiali, su cui io sono in profondo disaccordo, cioè che si usino i testi artificiali per insegnare il latino, mi sembra, questa è una mia visione personale, l'apprendimento del latino serve a padroneggiare un corpus di testi,
cioè il latino non lo utilizziamo come lingua di comunicazione. Mi dispiace per tutti i fautori del latino latin vivant o cose del genere, ma il latino non serve a comunicare fra di noi. Se adesso avessimo fatto questo colloquio in Mantuano in latino, sarebbe stato piuttosto complicato, credo, anche se lo sappiamo in latino tutti quanti, ma sarebbe stato un po' complicato. Ecco, io quindi, mentre invece la cosa fondamentale è che il latino è un grandissimo patrimonio di testi che vanno non solo dal latino classico, ma che poi arrivano fino al Medioevo e anche oltre, e conoscere il latino significa essere in grado di padroneggiare questi testi, di comprendere questi testi, comprendere fino in fondo. E questo, diciamo così, in qualche modo, credo che l'obiettivo nostro sia sempre questo, cioè di insegnare il latino per capire il latino, testi di per capire la civiltà latina. Origa naturalmente poi pensa che si possano utilizzare gli strumenti di linguistica formale e generativa per rinnovare l'insegnamento del latino, partendo proprio da gli elementi sostanziali della grammatica generativa, la gerarchia della frase, le relazioni tra i componenti e i connettori. Ed è un'ottima, credo, analisi molto giusta dei vari problemi. Il dubbio che è sempre questo è: riusciremo mai a fare questo, ad avere un approccio innovativo? Come ho appena detto prima, la mia esperienza personale è che sto tentando di fare questo con risultati molto scarsi, perché l'editore ogni volta che mi ha tolto quasi tutto, insomma, diciamo così, buona parte di quello che ho fatto. E finisco con gli ultimi, quindi sono abbastanza in tempo, con gli ultimi due, cioè categorie, sempre per categorie, che è questo articolo sulle traduzioni della Vita di Sant'Alexis, che è in antico francese, in traduzioni moderne, di Baptiste Scrivrot, scusate la pronuncia, Scrivrot e Caras, e vengono esaminate delle traduzioni moderne, come dire, di questa vita medievale, insomma, testo attribuito al XIX secolo, tutte traduzioni fatte sulla fine dell'Ottocento, per scopi didattici, quando il francese antico è entrato nei programmi scolastici, quando anche in Francia si è deciso di utilizzare anche il francese antico come corpus di testi, ma naturalmente non da leggere in francese antico, di conoscere il contenuto, ma da leggere in francese moderno. E quindi questo articolo esamina i vari approcci, diciamo, di queste traduzioni che sono state esaminate, per prendere in considerazione, per mostrare come e appunto vengono veicolate in funzione didattica, sono tutti testi destinati alla didattica, queste traduzioni dall'esempio di questa vita di Sant'Alessio, di Sant'Alexis. Ultimo è appunto il lavoro di Paolo Boccetti su latino e sabellico, che è appunto legato appunto sulle verba dicendi in particolare, e che ha una traduzione che molto interessante per comunque avere il contesto, diciamo così, breve ma molto condensata e precisa sui rapporti tra latino e lingue sabelliche, che poi rimanda sempre al solito problema, grande problema dell'italico comune, il cosiddetto italico comune. Comunque, con tutte le cautele necessarie, un approccio a base lessicale, perché certamente è soltanto su base lessicale che si può fare, che abbiamo testimonianze. Paolo appunto esamina le categorie delle verba dicendi a partire dalle radici primarie indoeuropee, comunque appunto latino lingue sabelliche, e i verbi quindi che esprimono l'azione del parlare sono molto numerosi in latino, quindi c'è un campione, diciamo, piuttosto affidabile, e con una serie di analisi appunto delle varie radici di tutti questi verba dicendi nel latino. C'è un paragrafo poi molto interessante che analizza le espressioni di Barrone per i due verbi più importanti, fari, che è legato alla questione della forma di parlare, dicere, che invece ha funzione sostanzialmente deittica, e su questo poi dopo segue anche un'analisi delle varie funzioni associate agli altri verba dicenti. Dicere comunque, ma questo è abbastanza significativo, è il verbo che ha il più vasto spazio semantico. E la parte finale appunto è il confronto con i corrispondenti sabellici, che poi sarebbero le lingue sostanzialmente osco-umbro, e questo sabellico è un termine moderno per indicare questo complesso di lingue,
il punto di riferimento delle lingue osco-umbre, e diciamo vengono collegate sempre queste analisi dei corrispondenti delle lingue sabelliche sempre alla testimonianza barroniana. Fari in particolare ha questo collegamento molto stretto con la sfera della profezia, mentre dicere è legato alla sfera del diritto, e di questo, diciamo, questa funzionalità latina di fari e di dicere, ci sono dei confronti anche molto, diciamo, significativi con le lingue sabelliche. C'è un'analisi particolare di dicere col confronto con il latino osco-umbro, termini come iudex e l'osco mentis, appunto, che sembra appunto che il radicale indoeuropeo dei si sia evoluto da un valore ostensivo a un valore locutorio, che appunto poi si è sviluppato nella lingua giuridica e anche in quella comune. Quindi anche questo, diciamo, è sempre nel, come dicevo prima nella presentazione di Paolo Poccetti, è legato a questo suo interesse per i rapporti fra il latino e il complesso delle lingue parlate in Italia. Ecco, questo, ho cercato di fare una rassegna completa, ma anche un pochino individuando dei punti, diciamo, delle linee di tendenza di una serie di articoli. Resta appunto una serie di studi che sono legati, oltre che dalle tendenze, dalle ricerche scientifiche di tutti coloro, compreso me, che hanno partecipato a questa raccolta di studi. Qui sono raccolti sia studi di persone che c'erano a Volano, sia di persone che sono poi aggiunte in un secondo momento, ma quello che è più importante è stato, come dire, il contributo di stima, ma addirittura di affetto per Anna, che c'è stato sia in quell'incontro a Volano e sia poi in questi lavori che noi abbiamo fatto. A questo punto penso che forse Anna vuole solo ringraziare. Vuole dirci qualche cosa. Grazie, caro amico, di averci mostrato quante cose belle abbiamo fatto a Volano, insomma, per le tue parole di amico e di studioso che mi hanno veramente commosso. Grazie all'amico di sempre, Mauro Lasagna, il nostro scudito OSPES, che ha permesso la realizzazione di questo evento nella prestigiosa sede dell'Accademia Mantovana. Grazie per aver reso possibile anche il collegamento in streaming, segno di apertura culturale e di efficienza organizzativa di alto livello. Questo ha permesso di essere uniti alla grande famiglia dei partecipanti ai volumi, ha consentito la partecipazione dei miei familiari, dei miei studenti amati, Lika da Tbilisi, Jari dal nord della Finlandia, da Ulu, buon anniversario, il suo compleanno tra l'altro. Delle amiche Rosa Medina Granda da Oviedo, Carlotta Vitti da Pechino, dell'editore Fabrizio Serra, che ringrazio particolarmente per l'eccellente qualità della stampa. Sono due volumi veramente bellissimi e molto raffinati. Fa piacere tenerli in mano, sì. Le giornate di studio e di amicizia a Volano sono state per me l'ultimo incontro in tempo di pace, senza la pandemia, senza la guerra. Molte volte in questi due lunghi anni sono tornata proprio col pensiero a quei giorni, ricordando tutti voi. Sapevo che l'amico Paolo Poccetti avrebbe pubblicato gli atti di quell'incontro, ma non potevo certo immaginare che quei due volumi sarebbero stati per me. Nel primo momento sono rimasta confusa, un po' spiazzata, devo dire, ma poi anche tanto, tanto felice. Ho tanti amici e sono tutti qui nel libro e erano tutti a Volano. Vorrei ringraziarvi tutti, cercherò poi di farlo individualmente nei prossimi giorni. Ringrazio tutti i presenti, il collega etruscologo professor Gérard Capdeville di Paris Sorbonne, che con i suoi interventi ci arricchisce di conoscenze, accompagna e delinea il tracciato dei nostri incontri sul cammino degli Etruschi. Spina, Mantova e poi finalmente ci saranno gli Etruschi del Tirreno, ma non vorrei fare lo spoiler. Ringrazio il nostro presidente di séance, l'amico Paolo De Paolis, per avermi fatto scoprire il fenomeno del latino carsico. Il nostro OSPES Virgiliano, che insieme ad Irene hanno fatto un contributo veramente profetico, perché oggi sono diventati loro gli ospites. Grazie agli amici e alle amiche francesi, André Boriglio di Toulouse, Guy Sabat, Louis Basset di Lione, agli amici di tanti incontri a Centre-Nous, Chantal Kircher, Michel Pruy,
Colette Baudelot, Bernard Bortolussi, Lilian Snyder, Michel Poirier. I miei migliori anni in Francia li ho passati proprio con voi. Ci uniscono tante cose, scientificamente e umanamente. Passiamo ad Israele. Grazie ad un'amica preziosa per età, prestigio e grande cuore, Anna Rosen, che ha voluto scrivere per me un articolo di semantica. Grazie ad Ava Bazzev per un contributo sulla traduzione che riprenderò in giugno nel prossimo convegno da lei organizzato proprio su questo tema a Tel Aviv. In Spagna, grazie all'amico madrileno Benjamin García Hernández, che mi ha offerto un importante articolo di lessicografia, potrà forse consolarmi dello stato attuale delle mie ginocchia. In Italia, grazie all'amico toscano Andrea Nutti, al veneziano Renato Niga, con cui condivido la passione per la nostra Cortina d'Ampezzo. E grazie ai giovani, Elieta Logosso, Liana Tronci con Takuya, Federica Fumante. È bello avere dei contributi dei giovani, aprono la speranza. Permettetemi di ricordare tre studiosi che hanno segnato la mia vita. Il professor Alfredo Ghiselli, con cui mi sono laureata e che con l'amica Mariella Bonvicini ha voluto farmi il dono del suo ultimo lavoro. Come ricordava il nostro Paolo De Paolis, il professor Ghiselli si è spento nello stesso pomeriggio in cui Mariella presentava a Volano questo loro contributo. Ha voluto congedarsi così con un ultimo gesto di affetto. Grazie al professor Gualtiero Calvoli per il suo importante articolo di retorica qui nel volume, che mi ha fatto conoscere la linguistica latina e mi ha indirizzato ad aperture internazionali. Con le amiche di sempre, Alessandra Bertocchi e Mirka Maraldi, siamo state, per incitamento del professor Calvoli, le veterane dei convegni di linguistica latina fin dal primo mitico convegno ad Amsterdam 1981 con Machtel, Wolkenstein e Arndt Pinkster. Grazie all'amico Giovan Battista Galli, anche lui della scuola bolognese, che ora è a Gand. E grazie anche a qualcuno che purtroppo non c'è nel libro, ma che avrebbe tanto voluto esserci, al professor Claude Moussy, a cui devo la parte più bella della mia vicenda universitaria francese. È stato un grande amico personale, oltre che una persona squisita. Voleva partecipare al convegno di Volano e anche agli altri, e mi dicono che in ospedale avesse un qualche brouillon di un articolo proprio per questi atti. È presente nel cuore per sempre. Ma c'è ancora qualcuno, ultimo proprio perché è il più importante, a cui voglio rivolgere un grazie molto speciale. Qualcuno grazie a cui tutto questo è stato possibile. Grazie Paolo, dal cuore grande di amico vero, unico e speciale. Grazie per questa festa, per la testimonianza che resta di questi bellissimi volumi, per la tua generosità, la tua pazienza, ma soprattutto per i 20 anni ormai della nostra amicizia luminosa, che è stato un sostegno fermissimo nel tempo, attraverso le gioie, i successi, i viaggi, i convegni, ma anche i lutti, il dolore per chi non c'è più, la solitudine. Se sono scientificamente ancora viva, è grazie a te, alla passione per la ricerca che abbiamo sempre condiviso, con sostegno reciproco indispensabile che continuerà, questo è sicuro. Grazie di esserci sempre. E ora, per tutti voi, i miei amicissima e gratissima verba. Beh, che dire a fronte di una presentazione così e di questo ringraziamento? Veramente sono io commosso. Oh, pardon. Sono io commosso per tutte queste belle parole. Tu, Paolo, veramente hai presentato nel modo più eccellente, tu nel modo più toccante, anche ricordando le persone, insomma, tutto il percorso personale, le persone che non ci sono più, a cui ci lega tanto affetto. E devo dire appunto di come il modo di come sono nati questi volumi, da un incontro nel seno dell'amicizia, perché poi questo aspetto è importante, no? Perché insomma non è che mancano occasioni scientifiche, anzi ce ne sono anche troppe forse, perché siamo tutti subissati da appunto partecipazione a convegni, richieste di testi per miscellane, riviste, eccetera, eccetera. Però devo dire che
questo incontro era nato in, appunto come gruppo di amici che si riuniscono per discutere di temi della ricerca, e questo mi preme sottolinearlo. Poi ha avuto un ulteriore sviluppo, come è stato ricordato, si sono aggiunte altre persone, e l'idea appunto era anche quella di saldare il percorso scientifico e didattico professionale di Anna comune all'Italia e alla Francia, e insomma è ovvio che molti altri avrebbero potuto, dovuto, forse anche voluto inserirsi, ma anche le dimensioni di ogni miscellanea sono quelle che sono, quindi ci vuole un limite. Però mi sembra che, devo dire, il risultato è stato eccellente. Anch'io naturalmente vedo che è collegato l'editore Fabrizio Serra, lo ringrazio per la sua disponibilità. Io ho cercato di connotare questa rivista in modo tematico, per cui appunto, a parte che è una consuetudine che è anche abbastanza consolidata, quella di dedicare volumi tematici di riviste per o atti di convegni oppure appunto come mélange in onore di, e quindi insomma mi pare che in questo caso il risultato sia veramente, poi non sono io certo a doverlo dire, perché merito, lo sto rendendo merito appunto a chi ha collaborato a questi volumi, all'editore, e naturalmente a chi ha meritato che questi volumi le fossero dedicati. Mi taccio, quindi grazie a tutti, e non ultimi agli ospiti, gli ospites che hanno permesso la realizzazione di queste giornate. Che ti filmeranno. E anche, sì, tu non ti vuoi fermare. No. No. Benissimo, grazie ancora. E dunque... chiusura della seduta da parte di Re. Sì. Quindi, forse gli etruschi andranno nel Tirreno? Sì, ma tu sei... Sì, ma abbiamo trattato quelli di Ferrara e di Mantova, quindi... Io ho solo... una comunicazione di servizio. Cet après-midi, on se retrouve à 15:15 à Palazzo T. D'accord? Okay. Pour le déjeuner de demain, samedi, alors, monsieur Bortolussi, D'accord. Allora, grazie. Basta, io avevo solo queste comunicazioni di servizio. Grazie. Sono molto di
non deve fare, non deve dire, lavoro a fare un'inizio. Dopo che Sono per le nostre,